ça dépend où on se positionne et ça dépend quel âge on a. Et plus je grandis, moins ça m'arrive. Mais quand j'étais une très jeune musicienne, les premiers concerts qu'on a fait avec Grande Masachise, il y a des gens qui venaient nous montrer sur les instruments où était le bouton du volume. Alors qu'on était sur scène et les personnes étaient dans le public, tu vois. En disant, ah, pour allumer l'ampli, c'est là, n'oublie pas de le brancher, tu vois. Tu dis, non mais ta gueule en fait, enfin... Eh bien, bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Sapiens avec un épisode un peu spécial puisque c'est l'épisode des premières, je me suis rendu compte, à plein de niveaux. Pourquoi ? Parce que je reçois une invitée, donc tu es ma première femme invitée, ma yes. première bassiste, ma première chanteuse. Oh là là. Et t'étais presque ma première Alsacienne, mais comme je crois qu'il va y avoir Dany juste avant toi dans l'ordre des épisodes, mais je me suis noté, t'es aussi la première jeune, entre guillemets. Très cool, c'est parfait, c'est la journée des premières. Ouais, on reçoit Eva du groupe Grandma Ashes, qui est chanteuse et bassiste du groupe. Bienvenue Eva et merci de me consacrer cette soirée. Eh ben, merci à toi Nico, c'est trop cool. Merci pour l'invitation. Et apparemment, on est dans un café dans le désert, j'ai cru comprendre. Donc, il y a un merci. Peu de ça. Alors ça dépend des invités. Le café dans le désert, c'était effectivement pour Patron, je pense que tu connais l'eau. Ouais. Parce que je trouvais que lui, c'était, bah, voilà, c'est l'homme du désert. Hein. Absolument. Alors toi, je me suis dit que vu que tu viens un petit peu d'Alsace... Alors, on en parlera un petit peu plus en détail, mais est-ce que tu avais un bar en Alsace que tu affectionnais ? Écoute, non, pas spécialement, parce que là d'où vient ma famille, c'est une petite ville dans laquelle il n'y a pas énormément de bars de ouf dans lesquels sortir, mis à part à Strasbourg, mais je suis partie assez jeune en fait, enfin j'y ai même jamais réellement habité, je suis alsacienne de cœur et de famille, mais moi j'ai surtout résidé en région parisienne. En Alsace, alors c'est marrant que tu dises bar, parce que la ville dans laquelle habite ma famille s'appelle Bar. Ah ben je connais très bien Bar. Et ben voilà, donc. Ben écoute, on va dire un café, que, un bar. Ouais, voilà, ou un viticulteur, voilà, on se fait petite dégustation d'un petit racing, par exemple. Voilà. Ça me va très bien. Alors écoute, ouais, je disais que c'était l'épisode des premières fois parce que c'est aussi. T'es la première invitée que je connais pas personnellement, humainement, on va dire. On se connaît de la scène parce qu'on évolue un petit peu dans les mêmes, mêmes styles musicaux, on va dire, hein, pour simplifier tout ça. Stoner et assimilé, on va dire. Hein. Et, mais je crois qu'on ne s'est jamais rencontré en vrai. Alors peut-être que je me trompe. Je crois pas. Non, je crois pas non plus. Ok. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai préparé quelques petites questions à te poser. Alors, comme je te disais un petit peu en off, l'idée ici, c'est pas d'être en mode promo. Ouais. C'est vraiment d'échanger de musicien à musicien. C'est ça Super. Qui est intéressant. Et Trop d'avoir bien. Un échange, voir si, bah, si on a un petit peu les mêmes visions, les mêmes parcours les uns les autres. Bien et, sûr, ouais. Et je me suis dit, bah, voilà, prépare-toi quelques petits trucs que je voulais vraiment pas passer à côté. Mais... on va se laisser guider un petit peu, bah, comme voilà, deux personnes qui se rencontrent de la scène et puis comme si J'adore. On s'est croisé en backstage un petit peu. Voilà. Super. Alors, je ne sais pas si tu connaissais déjà le projet Sapiens au départ qui a donné l'origine à ce podcast. Eh ben non, pas du tout. Et je l'ai découvert en allant regarder un petit peu le podcast, là où j'ai été taguée, puisque finalement je l'ai découvert sur Facebook parce que un de nos amis en commun m'a mentionné dans une de tes publications. Et donc je suis allée voir un petit peu. Alors petit peu tout justement, ça. Je vais commencer par ça parce que cet ami, c'est pas n'importe qui. Donc c'est Tibal qui est donc l'autre guitariste du projet Sapiens. Donc pour rappeler un petit peu le contexte de tout ça, avant d'avoir un podcast, il y a eu un album qui s'appelait Sapiens, sur lequel Thibaut et moi, on avait composé 10 morceaux pour 10 chanteurs de la scène rock et metal française. Et on nous a, à juste titre, reproché qu'il manquait de chanteuses. Et à l'époque, je ne te connaissais pas. Donc, si un jour je fais un Sapiens 2, on t'invitera, je te promets. Ah, génial. C'est super. Mais j'ai besoin déjà de savoir d'où tu connais Tibal, en fait. Alors,
ça fait longtemps, ça fait très très longtemps qu'on s'est rencontrés. Enfin, je te dis longtemps, ça doit faire une dizaine d'années. Moi, je faisais de la basse depuis pas très longtemps, depuis 4-5 ans, je pense. Et on s'est rencontrés sur un projet. Moi, je venais en vacances en Alsace voir ma famille. Et il y a un musicien pour lequel jouait Tibal qui m'a recruté. Je pense qu'il connaissait mon père, qui est musicien aussi, en disant tiens, voilà, Eva, tu fais de la basse. Moi, je cherche un ou une bassiste pour faire un concert one shot, un gros concert. Je pense que c'était une release d'album. Donc, par la poste, il m'avait envoyé les albums, les démos, donc j'ai reçu plein de CD, des paroles, un livret, et puis... Est-ce que ça serait pas Monsieur Bretzel dont tu parles? Non. Est-ce que c'est Jean-Baptiste Martial? Oui, je crois est-ce que c'est ça. Est-ce que oui, oui. C'est Monsieur Bretzel? Alors, c'est ça. Alors c'est ça, et moi j'étais super contente parce que ça me faisait une expérience. C'est la première fois que je crois que c'était la première fois qu'on me démarchait comme ça, donc on j'étais hyper fière. Ouais. On me castait tout à fait, ouais. Et donc j'ai répondu à l'appel, j'ai appris le répertoire qui était pas un répertoire que j'avais l'habitude de travailler. En plus c'était hyper pop, très chanson. En plus ouais, c'était ouais. En français, il y avait des chansons, je crois, en alsacien. Donc j'étais ravie. Moi je me disais waouh, je suis comme une pro. Je crois que j'avais 17 ans, 17 ou 18. Donc vraiment, bon, c'était, pour moi, c'était, j'avais l'impression d'être une super rockstar. On a joué dans une belle salle, il y avait beaucoup de monde, c'était très cool. Et c'est là, pendant les premières répétitions qui ont précédé les jours du concert, que j'ai rencontré Tibal, avec qui le courant est super bien passé, hyper bienveillant, super fun aussi. Et vraiment, j'étais super contente pour une de mes premières expériences pro, d'être entourée de gens qui étaient juste vraiment super sympas, et puis super pro aussi, quoi. Ouais, bah parce que Thibaut, en plus, au-delà d'être une belle personne, c'est un bon guitariste aussi. Ouais, c'est clair. Qui a un très bon son et tout. Alors, évidemment, on lui fait un gros coucou, on lui fait un gros bisou, sachant que si vous écoutez l'épisode avec Eva, c'est peut-être que vous avez déjà vu aussi l'épisode précédent avec Dani, donc de mon propre groupe. Alors c'était un épisode un peu spécial, voilà, je vous invite à le revoir si vous ne l'avez pas vu. Et c'est Tibal qui le présentait, parce que je me voyais mal présenter mon propre chanteur, c'était un peu bizarre. Donc voilà, on lui passe un coucou et merci encore Tibal. Alors j'ai une petite la tradition du podcast, c'est toujours de commencer par le commencement, et donc de savoir un petit peu d'où tu viens. J'ai envie de connaître un peu ton enfance jusqu'à maintenant, mais l'enfance vraiment dans quel cadre tu as évolué, si tu as des frères et sœurs. Je savais que ton papa est musicien, c'est peut-être le moment aussi d'en parler et de savoir qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie, le contexte un petit peu. Ouais, donc je suis née dans une famille d'artistes, ouais. Avec mon père et ma mère qui faisaient un groupe ensemble déjà à ma naissance. Ta mère aussi, je savais pas. Oui, ma mère chante, elle a fait un petit peu de guitare et elle était chanteuse dans le groupe. Donc moi j'habitais dans un petit HLM de banlieue parisienne, et le salon était investi pour les répètes en fait. Donc il y avait tout le temps de la musique à la maison. Quand c'était pas des musiciens live qui venaient avec ma mère qui composait des textes, tout ça, c'était de la musique à fond. Apparemment, quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, mes deux parents faisaient vraiment en sorte que j'ai une oreille musicale. Donc ils blastaient Beethoven ou alors comment il s'appelle. Richard Gottener, voilà, qui m'a donné de super bons goûts en chanson française. Ouais. Et les Ramones, donc voilà. Ah oui, c'était diamétralement opposé. Absolument, et tu vois, finalement, je pense que avec du recul, si c'est possible que je l'ai entendu depuis le ventre de ma mère, peut-être que ça m'a quand même un peu influencé, parce que c'est vraiment ce sur quoi j'ai démarré mon éducation musicale, en fait. Beaucoup de punk, mon père écoutait beaucoup, beaucoup les Beatles, ouais, c'est toujours le cas, mais quand j'étais petite, vraiment, j'ai des souvenirs de moi. Tu sais que je crois que c'est le groupe qui est à peu près cité dans tous les épisodes.
Ah c'est ouais, assez bah, fou. Bon, bah, à juste titre, hein, tu bah, me donnes la plus grande du monde. Mais c'est marrant, on en revient toujours aux Beatles d'une manière ou d'une autre. Bah voilà, bah, ça m'étonne pas du tout. C'est tellement. Riche. Des fondateurs de tellement de choses, de tellement de. Qui initient tellement la culture musicale d'énormément de personnes. Donc oui, ça m'étonne pas. Et puis, de manière totalement intemporelle, parce que. Pas plus tard qu'hier, j'avais des gens à la maison et la playlist qui tournait, c'était une playlist Beatles, tu vois. J'avais un t-shirt Beatles, j'ai même pas fait exprès. J'ai mon pote qui arrive, il fait « Ah donc tu associes toujours ton t-shirt à ce que tu écoutes ?» Non, c'était un pur hasard. Et en fait, tu sais ce qui m'a donné envie de mettre cette playlist, c'est parce que voilà, j'ai un piano à côté de moi là et ouais. mon fils a fait une mélodie complètement au hasard. Et en fait, il a joué And I Love Her, je crois que c'est là. Et j'ai dit, tiens, mais Corentin, c'est un morceau des Beatles que tu viens de jouer. Oh. Et il n'avait pas fait exprès, tu vois. Et comme quoi, ça accompagne vraiment toutes les générations. Bon, ouais. Bref, on a fait notre petit aparté Beatles qu'il mais fallait. Non, je te laisse continuer. Moi, j'avais beaucoup de mal avec les Beatles quand j'étais petite parce que je pense que mon père était vraiment... il a des phases comme ça d'écoute musicale de ses albums préférés. Des fois, c'est Alice Cooper, j'adore. Mais petite, c'était très souvent les Beatles et je me souviens de la chanson Obladi Oblada qui tournait en boucle et ça me rendait folle. C'est la petite sortie de route des Beatles quoi. Bon, elle est horrible cette chanson. Je pense qu'il peut-être qu'il la mettait à la maison en se disant ah voilà c'est des paroles un peu rigolotes pour un enfant ça va être. C'était horrible. J'ai détruit le lecteur CD ou en tout cas shooté dedans de nombreuses fois, je crois, pour arrêter cette chanson-là en particulier. Le reste de l'album, ça allait. Voilà, enfance avec pas mal de musique, beaucoup d'instruments de musique à la maison. J'ai commencé le piano vraiment, vraiment, vraiment tôt. Je savais. J'étais sûr que tu jouerais du piano. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, Eva, je la vois bien derrière un piano. Ouais, bah voilà, bah, tu ne t'es pas trompé. Donc ouais, j'ai commencé vers 2 ans parce que mon père, c'était un peu découverte. Comment ça s'appelle ? Il y a un nom pour ça, pour les tout petits, tu sais, qui font de l'éveil musical. Éveil musical, ouais. Donc éveil musical avec le piano, un peu par mon père, avec guitare, ukulélé, des maracas, des petites percus un peu mignonnes. Et puis le piano, je sais pas, ça m'a paru plus simple que tout le reste. Et en fait, j'ai fait du piano jusqu'à maintenant, depuis mes 2 ans. Donc, en autodidacte, j'ai eu quelques années de conservatoire, mais je suis pas une élève très. J'aime pas qu'on me dise quoi faire ou quoi apprendre. Assez indisciplinée. Je suis une bonne élève, mais indisciplinée. Vraiment, moi et le conservatoire, ça a pas marché. Voilà. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, donc je suis allée vivre avec ma maman, donc un petit peu moins de musique. Leur groupe s'est arrêté aussi. Mon père est. C'était quoi le style musical de leur groupe ? C'était rock français, ça faisait un petit peu Rita Mitsouko. Mais c'était très riche. Toutes les personnes qui composaient, je pense que c'était mon père essentiellement avec le bassiste, je crois. Super influence, c'était hyper riche. Parfois, c'était même électro. Et quand je réécoute, parfois, je me dis, mais c'est fou, est-ce qu'ils étaient en avance ? Est-ce que c'était les années 90-2000 ? Donc voilà, il y avait des synthés kitsch. Mais c'était quand même... je pourrais les écouter aujourd'hui, ça n'aurait pas vieilli tant que ça d'un point de vue style et son de clavier. Donc voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a un gros revival justement des prods de 90s. Carrément. Donc voilà, j'ai continué mon adolescence donc chez ma mère en allant en vacances chez mon père en faisant toujours de la musique à fond. Et donc c'était là que tu étais à Bar ou non Mon père a déménagé à Bar là où vit tout le reste de la famille alsacienne là d'où il vient, hein. Il vient de Bar, d'Alsace plus généralement. Tu parles un petit peu alsacien ou pas du tout?
Seulement les insultes. Normal, la base. Seulement les insultes, une petite comptine, le nom des aliments que je préfère. D'accord. Des trucs débiles à dire à table quand on rote, voilà, ce genre de choses. Okay. Bon, tu nous lances un petit hop là de temps en temps quand même. Oui, bien sûr. Et des yo ou des yé, bien sûr. Okay. Et puis j'ai l'accent quand je parle français pour imiter ma grand-mère. Et ça fait toujours rire tout le monde. Et, je me fais des amis en festival, tu peux pas savoir. Tu parles à quelqu'un qui est un petit peu éméché pendant 3 secondes, qui dit « Ouais, moi je viens d'Alsace. » Et tu fais « Ah, non, t'es tonnerre, tu viens d'Alsace, mais non. » Et hop, c'est parti. Et ça lance un... Ah, mais il y a un côté communautaire hein, avec les Alsaciens. Ah, c'est incroyable. C'est infaillible. Ah, c'est les Bretons à côté, c'est vraiment rire, quoi. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis pas du tout Alsacien, donc moi, je viens de La Rochelle. Et quand je suis arrivé en Alsace, bon, maintenant, ça fait presque 20 ans que je suis là, hein, donc je commence à bien connaître la culture alsacienne, on va dire. Quand je suis arrivé ici, j'étais complètement halluciné de cet attachement culturel, justement. Ouais. Parce que, bon, nous, voilà, comme n'importe quelle région de France, les Charentais, on a aussi un petit peu ce côté chauvin, etc. Mais moi, je voyais l'Alsace à travers la télé, tu vois. Et les quelques reportages que je voyais sur le marché de Noël, la route des vins et tout ça. Et je me disais dans ma tête, oui, bon, c'est juste, il doit y avoir encore quelques rues ou quelques villages comme ça. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, mais c'est partout, c'est pareil. Ah ouais, je me dis, c'est un décor de, on dirait un quartier d'Europa Park géant, quoi. Et cet attachement culturel à son architecture, à sa langue, à sa gastronomie. Sa gastronomie, ouais. Je trouve ça génial, en fait. Et ça n'empêche pas l'Alsacien d'être très accueillant aussi avec les autres, parce que moi, je me suis intégré très, très vite. Et il y a ce trait commun. Et comme tu dis, à chaque fois que tu croises un Alsacien, que tu balances une petite blague, ça marche à tous les coups, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors chez nous, il y a Dany qui parle alsacien, il y a Greg qui parle alsacien, et il y a surtout Katia. On reviendra sur Katia tout à l'heure, parce que je sais que tu adores Katia, et c'est réciproque. Je l'adore. Et voilà, donc de temps en temps, ils se font des petites vannes d'Alsaciens entre eux, ouais. En alsacien, et du coup, tu comprends pas. Ouais, quand ils veulent bitcher sur moi, tu vois, ils parlent en alsacien. C'est excellent moyen de bitcher. Ouais. Tu as des frères et sœurs, en fait ? Je t'ai pas demandé. Oui, tout à fait. J'ai une demi-sœur donc, qui est née quand mes parents sont séparés. C'est la demi-sœur du côté de mon papa. Okay. Et qui est musicienne également. Elle a 20 ans maintenant. Elle s'appelle Luna. Et c'est une très, très bonne guitariste. Voilà, je vous recommande d'aller regarder son travail. Elle fait son intermittence cette année en intégrant des groupes de reprises. Elle fait un groupe de reprises Johnny Hallyday. J'imagine que c'est très, très formateur à la guitare, parce que ça a toujours été de super, super guitaristes partout. Donc je pense qu'elle doit progresser en flèche. Je ne la vois pas souvent, malheureusement, parce qu'elle habite à Bar aussi, avec mon papa qui la forme. Mais tous les deux, ils ont continué parallèlement la guitare. Quand elle est née, il l'a mise à la batterie tout de suite. Elle a accroché, franchement, jusqu'à ses 6-7 ans, elle a fait de la batterie. Après un peu moins, et puis quand elle était au collège et lycée, elle avait envie de faire de la musique, les cours ça l'intéressait pas trop, et du coup mon père lui a dit bon écoute si tu veux je te déscolarise et puis tu fais full saltimbanque comme tout le reste de la famille, et elle a fait ah si, ok, et voilà. Ah ouais, donc elle a quitté l'école à quel âge du coup ? À 15 ans. Ah ouais. À 15 ans, et là, ça, c'est fou. C'est fou. Et moi, je trouvais ça hyper risqué. Je disais à mon père, oh là là, c'est pas sérieux. Ça a occasionné vraiment des discussions, des débats autour de est-ce que 15 ans, c'est le moment de devenir musicien ? Est-ce qu'elle a vraiment envie, tout ça ? Et en fait, elle a l'air tellement épanouie, elle kiffe. Vraiment, chaque photo de concert que je vois d'elle, je suis trop fière. On est tous, dans la famille, tous trop fiers. Et puis, elle a pris vraiment le truc au pied levé, vas-y là t'apprends ça, ok, et puis voilà, elle avait pas des méga bases quand elle a commencé, et pourtant elle trace sa route comme une chef, donc très fière. Alors redonne-nous son nom. Alors elle s'appelle Luna Gracien. Ok, bon, on ira regarder ça sur les réseaux, j'imagine. Yes. qu'on peut la retrouver. Oui. Je trouve ça, ouais, c'est assez incroyable ce que tu racontes. Moi, en tant que père, justement, et donc j'ai un petit garçon de 10 ans et une petite fille de 5 ans. Donc mon garçon fait de la guitare.
aussi. Et du piano, du coup. Ouais, alors, le piano, il s'amuse juste à faire un peu des petits trucs à l'oreille comme ça, on va dire, mais il prend pas de cours. Et ma fille commence un petit peu à être attirée aussi par la musique. Alors, justement, j'essaie de lui montrer des exemples de nanas qui montent sur scène et qui font des trucs comme papa, parce que elle, sa référence, bah, c'est ce qu'elle voit faire chez moi. Bon, pour elle, bien elle sûr. Dit, bah, mon père, il fait de la musique, c'est logique pour elle, c'est tout ce qui est plus naturel. Et donc, je pense que tu as vécu exactement la même chose que ça. Ouais. Et elle est dans cette phase où, justement, elle commence à être attirée par tel instrument. Et je lui disais, moi, j'aimerais bien qu'elle fasse du piano parce que je pense que c'est l'instrument un peu à la fois le plus formateur, le plus logique pour comprendre le solfège, parce que c'est ce sûr, côté c'est visuel sûr. Du truc, et le côté universel, c'est que une fois que tu sais jouer du piano, tu peux à peu près jouer n'importe quel style de musique. Ah, c'est sûr, et puis tu peux jouer à peu près de tout, en fait. T'as comme visuellement, t'as tout en face de toi, c'est pas un manche de guitare qui est collé contre toi ou quoi. Moi, le piano, quand j'ai commencé à m'intéresser à d'autres instruments, ça me paraissait mille fois plus facile qu'avant que je maîtrise un petit peu le piano. Vraiment. Ouais. Et puis il n'y a pas de douleur quand tu pinces les cordes sur les doigts, etc. Ouais, bon. Voilà, c'est ça. C'est mais accessible. Malheureusement, pour le moment, alors je lui dis, tu veux pas faire du piano comme maman? Elle dit, non, je vais faire de la guitare comme papa. Donc, bon, elle fera peut-être de la guitare ou de la batterie, ce qui l'attire aussi. Mais ce qui est cool, c'est que maintenant, il y a de plus en plus d'exemples féminins à montrer, ouais, justement aux gamines. Je suis par exemple la chaîne Droméo. Alors, je suis pas oui, du tout batteur, mais c'est une chaîne que je trouve hyper bien faite. Ouais. Et très régulièrement, on voit des batteuses, quoi. C'est vrai, ouais. Il y en a beaucoup en avant. Quoi. Ouais. Là, la dernière vidéo que j'ai vue, c'est, je ne savais même pas, mais en ce moment, derrière les fûts sur The Mars Volta, c'est une batteuse. Ah ouais, je ne savais pas non plus. Ouais. Alors moi, je suis un grand fan de The Mars Volta. J'adorais le précédent batteur qui aujourd'hui joue dans Queen of the Stone Age. Mm-hmm. Et je ne savais pas que voilà, c'était une nana qui avait remplacé, elle défonce, quoi. Et, génial. Voilà, tu connais son nom? Je vais te le retrouver. Attends, tu sais quoi? Oui, on vient de regarder. Donc, la batteuse de Mars Volta s'appelle Philo Trun. Oh putain, comment j'ai dit? Tsungi. Tsungi. Voilà. Désolé, je prononce sûrement très mal pour s'il y a des fans qui de cette batteuse. Donc voilà, je disais, allez sur la chaîne Droméo, vous allez voir plein de batteuses qui déchirent. Qui, ouais. Voilà. Ouais. On en était où? On a tergiversé sur plein de choses. Bah tu me parlais de ta fille. Oui, voilà, qui a des exemples maintenant, ouais, de rockeuses. Ouais. Qui déchirent. Je lui montrerai à ce moment-là des clips des grandes mains, évidemment. cool. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, justement, cette envie de suivre, du coup, l'exemple de tes parents, parce que il y a aussi beaucoup d'exemples où les parents, ils essayent d'inculquer leur passion au gosse, et puis des fois, ouais, en fait, le gosse, ça marche pas, ça prend pas. Pas réceptif, ouais. Et des fois, même, j'ai vu des exemples de musiciens de très haut niveau, tu vois, des pianistes prodiges et tout ça, qui sont totalement écœurés de leur instrument parce que justement, ils ont une pression énorme des parents. Parce que peut-être pour combler leur propre échec, j'en sais rien. Ouais, et tu vois, et qui leur mettaient des pressions de ouf, faut que tu bosses tous les jours, 8 heures, machin. Et puis en fait, le gamin, non, il était peut-être fait pour être cordonnier, j'en sais rien, tu vois, mais pas pianiste. Ouais. Tu as vécu ça comment, justement, avec deux parents musiciens à plein temps? Elle a joué en plus avec ta frangine à 15 ans. Allez, tu fais de la musique, c'est assez fou, quoi. Moi j'ai pas du tout, on m'a pas du tout poussé, en fait mes parents m'ont juste laissé accès à des instruments en me disant voilà, tu fais ce que tu veux. Assez rapidement le piano, ça m'a vraiment intéressé tout de suite, donc ce que j'aimais bien, c'était reproduire d'oreille un peu ce que j'entendais, des musiques de films, j'aimais bien la meilleure école, hein. On regardait beaucoup de westerns, donc plein de trucs de Ennio Morricone, j'adore. C'était assez cool, et puis on avait un clavier un peu marrant avec des sons à la maison, je crois que c'était un Yamaha, donc voilà, il y avait des démos un peu marrantes dessus, des trucs, donc c'était facile d'appréhender la musique, pas de manière sérieuse et un peu effrayante non plus, donc en fait j'en ai toujours fait et c'est depuis. Peut-être ça qui t'a qui ne te correspondait pas dans l'approche conservatoire, quoi, le côté très strict, ouais, et théorique, quoi. Oh,
Ouais, tout à fait. Et puis même mon père, comme il était lui-même musicien, il y a des fois où je pense que ça devait le frustrer de me voir apprendre à mon rythme, alors que voilà, avec des bases peut-être plus solides de quelque chose ou juste une explication d'un truc un peu fondamental, tu vois, j'aurais pu avancer plus vite ou vraiment débloquer une compétence assez rapidement, ou de la rapidité ou de la compréhension de comment fonctionne ci ou ça. Et le côté mathématique de la musique aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et je le laissais pas du tout faire. Vraiment, c'était, on bataillait. Et j'ai des souvenirs. Je pense que ça doit faire partie de mes premiers souvenirs d'enfant, vraiment, où il m'expliquait des trucs et il me disait, mais laisse-moi t'expliquer. Je lui disais, mais casse-toi. Enfin, vire ta main. Je veux pas que tu touches le piano. Laisse-moi faire. Et donc j'ai un peu toujours continué comme ça, avec mon père surtout, qui me donne des conseils en me disant, ah, tu devrais essayer ça, et moi qui lui dis, mais je m'en fous, je veux faire moi. Je pense qu'il y a un âge, où on est prêt à recevoir ça, et un âge où c'est pas possible, c'est parce qu'on veut accéder d'abord à l'instrument pour son côté ludique, et la partie théorique qui finalement doit arriver à un moment donné ou à un autre dans son parcours de musicien, on a tendance à vouloir repousser. Là, c'est pareil, c'est marrant ce que tu me racontes, ça me fait penser à des amis chez qui on était récemment, où pareil, deux ados qui ont à peu près 17 ans, tu vois, 15-17, quoi. Pareil, qui joue du piano super bien et tout à l'oreille, quoi. Et je les ai vus jouer, j'ai fait, mais c'est un truc de ouf. Il faut que vous ayez, faut que vous alliez plus loin aussi dans la partie théorique, parce que c'est, vous avez déjà une oreille extraordinaire, tu vois, et puis déjà une vélocité bluffante pour des gens qui ont appris tout seul. Et donc, on commençait à discuter comme ça, et je leur ai simplement expliqué, je leur ai dit, mais. Est-ce que quelqu'un vous a déjà expliqué que les touches de piano correspondaient... là, tu vois, si tu joues que les blanches, c'est la gamme de Do, tu vois. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et puis, ils étaient là. Ah bon ? Tu vois ? Et j'ai dit, mais tu vois, si tu veux connaître l'écart entre les notes, il suffit juste de compter, là. 1, 2, 3, ben ça, c'est tierce. 1, 2, 3, 4, 5, ça, c'est quinte. Et ils étaient là. J'avais l'impression... C'était une révélation dans leur regard, en se disant, ah, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, le solfège, tu vois, surtout sur un piano. Et je pense mais à 17 ans, tu vois, ils avaient sûrement, ils étaient prêts à recevoir l'info. Bien sûr, c'est bien sûr. Mais c'est très juste ce que tu disais sur la découverte de l'instrument aussi. J'ai commencé le conservatoire à 8 ans, je crois. Et comme j'avais des professeurs, j'ai fait du classique pendant 2 ans. Après, j'ai fait du jazz. Là, le jazz, c'était un peu plus free, mais le classique, voilà, bon, ma prof de piano, elle m'impressionnait beaucoup. Elle enseignait pas du tout de la même manière que mon père. Elle était pas pédagogue pareil. Après, mon père, c'était mon père aussi. Donc, des fois, je pense qu'il était frustré. Bon, il m'a jamais engueulé ou quoi, tu vois, mais il était un peu genre, mais non, mais regarde, mais c'est super simple, et puis comme c'est un super bon musicien, tu vois, il enlevait ma main du piano, ou alors il jouait par-dessus mes doigts, et je lui disais mais laisse-moi faire, arrête de faire les trucs. Et en fait, il fait ça avec tous les instruments. Quand il apprend des trucs de guitare, il dit tiens, vas-y, fais ça, alors tu le fais, et puis par-dessus il fait, et maintenant fais ça, alors tu le fais, et puis d'un coup il tape un solo et tu fais non mais Et en fait, il est tellement passionné qu'il est emporté, tu vois, lui-même par son cours. Et en fait, au bout de 2-3 démonstrations de trucs, il fait « Mais non, mais c'est pas... Tu vois, tu pourrais faire... » Et là, il te fait un morceau méga connu, hyper dur à jouer. Tu fais « Ouais, bon, d'accord. Ouais, » Ouais, la pédagogie, c'est un métier. Hein.
Et pourtant, il est prof en conservatoire maintenant, tu vois. Et je suis hyper contente, mais tardivement, tu vois. Là, ça fait un an qu'il est prof. Mais tu vois, moi, je suis le premier à ne pas donner de cours de guitare à mon fils, quoi. C'est ouais, Thibaut, d'ailleurs, son prof de mais guitare. C'est... mais parce qu'en fait, j'ai commencé au début, tu vois, quand il était vraiment tout petit. Et ouais. J'avais un peu la réaction de ton père, quoi. De se dire mais si regarde tu peux y arriver en fait, mais c'est que t'en attends trop de ton gosse et c'est juste mais t'as pas la notion de comment dire, t'as pas le recul nécessaire. Alors je donnais des cours de gratte des fois à des enfants que je connaissais pas et là j'étais beaucoup plus patient, mais quand c'est ton propre gosse c'est pas pareil. Et au bout d'un moment j'ai dit bon, on va arrêter, on va confier ça à quelqu'un de confiance. Donc Thibaut il fait ça très bien. Et du coup, je vois les progrès avec cet œil extérieur et je vois que ça avance, tu vois. Donc, bien sûr. Ça marche. Oui, puis comme c'est ton enfant, tu as envie qu'il avance à un rythme que toi, tu connais aussi. Exactement. Et je pense que là-dedans, c'est aussi, tu as aussi une part d'incompréhension, de dire, attends, c'est mon gamin. Et là, moi, quand j'ai compris cette notion-là, ça m'a paru évident, alors que là, mon gamin, il galère. Comment c'est possible ? Voilà, donc... Mais c'est fou, la confiance que ton père a donnée derrière à ta demi-sœur plus jeune, quoi. Ouais, je trouve ça dingue. Je trouve ça en 2024 là comme ça. Enfin bon, c'était plus tôt du coup. Oui. Avant. Ouais. Tu veux faire de la musique, bah tu sais quoi, arrête tout et puis on y va quoi. Et que ça marche. Ça. Mais c'est un bel exemple. Hein. Je pense en fait que surtout c'était un moment où là où elle était scolarisée, c'était un peu compliqué. Les profs étaient vraiment, ils avaient pas envie d'être là clairement. Moi j'ai eu la chance, tu vois, d'être dans une école où vraiment les profs étaient hyper passionnés, ils faisaient des heures sup tout le temps, ils nous emmenaient au théâtre et tout. Et quand je vois comment elle a été à l'école et ce qu'elle me racontait, je fais ah ouais mais tes profs, ils font même pas leur taf. Ils font le strict minimum et ils s'en foutent. Donc assez rapidement, elle s'est désintéressée de ça. Après, en plus, voilà, tu vois, tu rentres chez toi pour faire tes devoirs. Il y a ton père qui part en concert, c'est une rockstar. C'est attirant, quoi, tu vois, ce mode de vie, je pense. Et puis dans la famille, de toute manière, c'est un peu partout des artistes, des personnes qui ont un mode de vie un peu alternatif. Donc alors aujourd'hui, ton père fait quoi alors? Il est prof conservatoire et musicien à côté, quoi. Ouais, exactement, il fait les deux. Donc il fait des concerts, il a 6-7 groupes, je crois. Oui. Ma sœur en a 2-3. Et tous les deux donnent des cours au conservatoire. Mon père l'a formé pour qu'elle puisse faire des remplacements quand lui il a des concerts et qu'il peut pas faire de cours au conservatoire. Génial. Du coup, elle a donné quelques cours niveau débutant et intermédiaire, je crois. Et en fait, ça s'est très bien passé avec le conservatoire aussi. Donc là, elle donne des cours en parallèle de lui des fois. Je sais pas trop quel niveau ils font. J'aimerais bien. Et du coup, ton père, on peut l'écouter sur quoi? Tu peux l'écouter sur plein de trucs. Il s'appelle Éric Gratien. Il a joué avec Lio, avec Jean-Louis Murat, avec Marianne James. Okay. Donc il y a pas mal d'albums sur lesquels il est crédité à la guitare. Donc il est musicien de session, un peu ce qu'on appelle. Ouais, qui travaille exactement. Pour des artistes. On l'appelle, on lui dit voilà, j'ai besoin d'un guitariste sur tel album de tel artiste. Exactement, okay. Exactement. Et puis là, il a des projets perso. Il a un projet folk qui s'appelle Broken Arrows, qui est, je crois, un de mes projets préférés qu'il a eu parce que les musiques sont sublimes, c'est très folk. Il y a 4 voix en plus dedans, donc vraiment les harmonies de voix comme ça, j'adore. Il a donc un projet qui s'appelle JJHH, Jour J Heure H, qui est un projet de cover de Johnny Hallyday, donc un peu pour tourner un peu dans toute l'Alsace. Tous les musiciens du projet sont excellentissimes. Il y a des cuivres, un clavier qui s'appelle Max Bauer, qui est excellent d'ailleurs, que je vous recommande son travail. Mm-hmm. Si vous cherchez un excellent clavier, donnez-lui du travail, il est super bon et super sympa. Voilà, ils tournent un peu. Ma sœur est dans le groupe aussi, donc ils tournent tous les deux. Ils mettent le pied sur leur tour en même temps, en faisant des solos de guitare croisés. C'est super beau, c'est super beau à voir. Ouais. Et belle complicité. Ouais, c'est hyper cool. Bah, c'est vraiment quelque chose que mon père a bien travaillé, je trouve, la complicité avec ses filles, essentiellement au travers de la musique. Après, c'est quelqu'un de très cultivé aussi, qui a plein d'anecdotes sur plein de choses. Et aujourd'hui, est-ce qu'il apporte justement de son réseau, de son expérience sur le travail de Grandma Achise?
Alors oui, c'est vrai qu'au démarrage du groupe, à mes débuts, à moi même, toute seule, hors Grande Ma, il m'a présenté pas mal de personnes en fait, qu'il a connues, qui étaient des personnes qui étaient soit plus trop dans le réseau, soit plus trop au poste auquel il les avait connues, donc c'était pas pareil, mais ça m'a permis de faire quelques premiers concerts, d'être... visible sur une scène en tant que toute jeune musicienne par des personnes qui avaient un peu de bouteille, des personnes qui avaient vécu des choses incroyables avec des artistes que j'adore. Ouais, donc là, ça t'a permis de gagner du temps, en fait, d'avoir des étapes. D'avoir un petit réseau. Tu pouvais éviter ça au moins, quoi. Des galères, il y en a eu quand même. En fait, c'était un réseau qui était essentiellement parisien déjà. Mais on va dire que tu as été dans le bain vite, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. De comment ça marche, en gros, le milieu, comment il fonctionne. Ouais. Tout à fait ça. Et puis même, tu vois, de l'attitude à avoir pour prétendre être professionnel, c'est-à-dire arriver. Là, on te dit tu joues ça, tu fais pas. Ah, mais je l'ai pas appris. Tu fermes ta gueule et tu le joues. Mmh. Et c'est vrai que le professionnalisme, être à l'heure pour les répètes. Ah ouais, exactement. Il y a plein de projets dans lesquels il m'a poussé un peu. Tu vois, il y a un des premiers concerts que j'ai fait, c'était Clair de nuit en Alsace. Oui, tu connais ce festival. Et j'accompagnais Clémentine Duguay, qui est une chanteuse qui fait du jazz, qui je crois qu'elle fait des instruments aussi, et qui faisait des chansons pour enfants un peu jazzy. Mm-hmm. Et mon père m'a dit tu vas faire les claviers dessus. Donc je fais je connais rien, en plus c'est un répertoire que je connais pas et tout. Et il m'a tiré de mon lit, c'était pendant les vacances, il m'a tiré de ma chambre, il devait être 9h du matin, il m'a dit tu bois un café, tu te sapes bien et tu descends dans le studio, parce que le studio est sous la maison, dans la cave. Tu descends dans le studio, tu te pointes, tu dis bonjour, tu souris et t'apprends les morceaux, je te fais les grilles et tu fermes ta gueule en fait. Tu veux être musicienne, franchement, fais-le, parce que sinon c'est nul quoi. Là tu te lèves pas, tu fais rien des vacances, il faut que tu te mettes un coup de pied au cul un moment. Donc je suis arrivée, j'ai chouiné dans ma chambre avant d'aller dans le truc et tout. En fait, la répète était géniale. La nana au chant, Clémentine, était adorable. Elle était vraiment hyper bienveillante, super contente d'avoir quelqu'un de pas hyper expérimenté dans le projet. Elle m'a fait confiance. Le concert s'est hyper bien passé. Ça m'a énormément rassurée. Et je me suis dit, OK, mon père, il a raison quand il me dit tu te mets un coup de pied au cul, tu fais les trucs, tu fais pas faux bon aux gens, tu te pointes à l'heure, tu es respectueuse, tu fermes ta gueule, t'apprends les parties avant, et puis t'arrives, t'es prête, quoi. Comme en n'importe fait. Quel et métier, finalement. Non, mais ça exactement. Et moi, je me disais, ouais, comme c'est de la musique, ouais, c'est un peu. Moi, j'avais un peu les clichés rock. J'avais l'impression quand j'étais gamine, tu vois, que les répètes, c'était un peu à la cool et tout. Et en fait, j'ai réalisé que non, pas du tout. Même les répètes dans mon salon, quand j'étais enfant, c'était hyper sérieux, c'était hyper cadré. C'est là où cadré, tu fais la différence entre l'amateur et le professionnel, quoi. Ouais. Ouais, exactement, exactement. Et ça, c'est vraiment un gros plus dans l'éducation musicale que m'a apporté mon père et qu'il apporte à ma sœur aussi, hein, de vraiment, tu fais quoi là, révise au lieu de regarder ton téléphone. Ah, mais je veux. Non, il y a pas de mais. Apprends la grille. Là, tu t'es foiré tout à l'heure, c'était nul. Vas-y, fais-le maintenant. Dit comme ça, il a l'air d'être dur. Il l'est pas. Hein, il est adorable. Bon, ça a l'air d'être en tout cas un bon mentor pour vous. C'est beau à voir. Ouais, c'est clair. Alors, donc là, on arrive en gros, t'es adolescente, quoi. Ouais. Derrière, tu fais quoi? Lycée, école supérieure? Ouais, t'avais fait un moment donné du japonais ou quelque chose comme ça, non? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. J'ai fait 3 ans d'études supérieures au lycée. Je suis vraiment devenue tête d'ampoule. J'étais pas quelqu'un d'hyper rock'n'roll collège lycée. Je voulais surtout aussi toujours, mais un peu au fond, tu vois. Je voulais juste passer à travers ma scolarité sans trop de problèmes, me disant, je pense que je suis un peu fun, tu vois, et j'avais un peu peur de me faire harceler ou quoi, donc inconsciemment j'ai un peu masqué un peu le style,
les musiques que j'écoutais. J'écoutais un peu rock metal déjà, et puis j'étais un peu grande gueule, un peu extraverti, un peu excentrique, tu vois. Donc t'étais dans un lycée particulier. Ouais, j'ai fait collège et lycée dans un privé catholique. Ah ben voilà, tout s'explique. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'était pas hyper fun, on n'avait pas le droit de s'habiller vraiment comme on voulait. Et puis j'osais pas, tout simplement. Puis voilà, j'avais envie de rester discrète, qu'on me remarque pas trop. Finalement, au milieu... Je pose une question peut-être un peu naïve, mais vas-y. Comment tu t'es retrouvé dans un lycée comme ça, privé catholique, en ayant des parents si rock'n'roll, quoi? Très bonne question. Je crois que tu le collège, en fait, il était juste à côté de chez moi, donc à pied c'était pratique, et mes grands-parents qui sont un petit peu plus bourgeois que le reste de ma famille ont proposé d'aider à payer si je voulais aller dans ce collège là qui était un collège un peu huppé. Donc t'es en région parisienne? En région parisienne, ouais. Donc je suis allée dans ce collège qui était sympa, hein, avec des professeurs vraiment, vraiment excellents, très dévoués. En même temps, c'est le privé, manquerait plus que voilà, ils en aient rien à faire. Mais voilà, vraiment avec un enseignement de qualité, assez rapidement, je me suis rendu compte que les études, ça me plaisait beaucoup, que j'aimais bien être une bonne élève, que j'étais indisciplinée dans plein de trucs, mais j'aimais bien avoir des bonnes notes, j'aimais bien comprendre ce qu'on me disait, arriver en cours, être bien prête, avoir fait tous mes devoirs. Donc j'ai vraiment tablé sur ça collège-lycée. Ça c'est marrant. Et puis là tu casses des clichés, quoi. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien, franchement, parce que j'ai eu beaucoup. J'aime bien poser ces questions-là sur l'école, quoi, tout simplement, à mes invités, parce qu'on entend plein de choses. Tu vois, un gars comme Poon disait que lui, ça ne lui parlait pas du tout. Et à la limite, bon, ça correspond au personnage. On s'imagine que Poon, c'est le rocker et tout. Et moi, en fait, j'étais un peu comme toi aussi, quoi. Très bon élève, super studieux et tout. Donc, comme quoi. On n'est pas tout seul. Il y a vraiment de tout, hein, dans le spectre rock'n'roll. Ouais, ouais. J'ai rencontré autant des casseurs que des têtes d'ampoule, mais grave, des gens qui disent « Ah mais moi, j'ai fait Polytechnique et tout. » Tu fais « Ah mais c'est dingue, et aujourd'hui tu fais du punk dans une cave, quoi, c'est fou. » Donc comme quoi, il n'y a vraiment pas d'antécédents spéciaux à avoir, spéciaux. De toute façon, quand tu vas au Hellfest, que tu regardes tous les profils des festivaliers, mais il y a tout, quoi. C'est vrai, c'est clair. Il y a des chirurgiens et des saltimbanques, quoi. Tu vois, donc j'étais vraiment profil fissage, je sortais jamais. Je suis pas sortie avant mes 17 ans. Première soirée que j'ai faite, j'avais 17 ans, je buvais pas d'alcool, j'ai jamais fumé. Et c'est ma mère à 17 ans, un jour, un soir, en mangeant, qui m'a dit « Franchement, là je commence à m'inquiéter, c'est bizarre. Est-ce que tu veux pas sortir ?» Et je suis allée à un concert, c'était des mecs de mon âge qui faisaient un concert dans une ville voisine. Et je me suis pris une claque dans la gueule, grave déjà, parce que les gars sur scène étaient trop classe. C'était des mecs avec des cheveux longs, très glam rock, avec des frocs hyper serrés, avec des t-shirts panthères. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ces mecs de ouf, j'ai tous envie que ce soit mes potes. Incroyable, gros crush sur le chanteur qui était extraordinaire, qui avait une voix d'opéra. Enfin bon, bref, c'était vraiment une révélation. The Darkness, quoi. Mais totalement, absolument. D'accord. Totalement. Et je suis revenue de ce concert-là en me disant peut-être que je vais sortir un peu plus. Et puis alors là, ça a été la débandade pendant 2-3 ans, où après j'étais tout le temps dehors en concert, j'ai découvert toutes les salles de concert. Bravo, de ma maman, région. Bravo. Mais elle était super contente, elle me proposait, elle me disait écoute, si tu veux que je vienne te chercher à 4h du matin, que t'es complètement déchiré dans un coin, appelle-moi, n'aie pas honte, je préfère te savoir en sécurité. Oui, donc j'ai vraiment été dans des concerts méga loin, dans des festivals, elle m'a emmené partout où j'avais envie d'aller. C'est quoi ton premier concert marquant dans l'esthétique rock, on va dire? Alors j'ai vu The Do, mais ça m'a pas marqué. Je me souviens juste que je les ai vus et qu'ils ont fait la chanson de la pub pour les cahiers que j'aimais bien. Mais j'ai vu un groupe de rock japonais qui pour moi était un groupe de rock. J'avais écouté 2-3 trucs sur YouTube que j'avais découvert dans un magazine de manga, et je m'étais dit d'accord. C'est très pop, j'adore, c'est doux, et puis les chanteurs ils sont beaux, machin. Et je suis allée au concert et c'était du métal, mais tellement hardcore. Ah bon? Mais c'était qui? C'était tellement brutal. Le groupe s'appelait Ayabie, A-Y-A-B-I-E. Je connais pas du tout. Et aujourd'hui, c'est devenu de la soupe, de la grosse, grosse soupe. Mais il y a 15 ans de ça, c'était
super vénère, hyper intéressant au niveau instrumental. Le bassiste est monstrueux. Les guitaristes sont excellents. Le chanteur, il est. Et je suis très très influencée au niveau de la composition aujourd'hui par ce groupe. Encore aujourd'hui, vraiment. D'accord. Des fois, je fais quelque chose et je me dis. Ça, c'est grave pompé à y habiller. C'est vraiment totalement dans cette veine-là. Et mélodiquement, c'était excellent. Les intentions, tout était... Enfin, voilà, c'est un de mes gros coups de cœur. Et je les ai vus... Ouais, quel âge j'avais ? Peut-être 15 ans. Et c'est ma mère qui m'avait emmené en disant « Ah, oh, c'est un concert, voilà, un peu avec des idoles, tu vois, asiatiques, c'est mignon, bon, voilà, c'est un peu plan-plan et tout. » Oh là là, la claque dans la gueule. T'es sûr que c'était le même groupe? Mais j'étais pas... Quand on est arrivé, qu'ils sont arrivés sur scène, je me suis dit « Waouh, c'est pas du tout ce que j'ai écouté sur YouTube. » Et ils ont fait aucun de leurs tubes mignons. C'était vraiment un concert. Et ils étaient trop classe. C'était... Bon, les Japonais, quand ils veulent bien faire, ils font quand même très très bien ça. Ça reste un peuple qui a beaucoup de bons goûts. C'est clair. Et quand il en a pas, c'est quand même bien, tu vois. Kitsch, il y a quand même. On a évolué avec la musique occidentale tellement en parallèle de sans vraiment se croiser que le moment où il y a eu un croisement, des dizaines d'années après. On sent encore la patte musique traditionnelle japonaise et asiatique instruments traditionnels, jouage d'instruments traditionnels, même en guitare, tu vois. Un des groupes qui a vraiment changé ma vie de musicien, ma vision de la musique, c'est Envy, quoi. De screamo japonais. Je me rappellerai toujours de la première fois que je les ai entendus et c'est encore un groupe que j'écoute aujourd'hui régulièrement et qui me met toujours une claque, quoi. Parce que je pense qu'il y a ce genre de groupe de musique qui pouvait pas naître ailleurs qu'au Japon, quoi. Le mélange, c'est juste parfait, quoi. Bien sûr. Cette approche, tu vois, moi en tant que guitariste, cette approche de mettre des télécasters avec mes aboogies, tu vois, c'était complètement ouf à l'époque et tout. Et à trois guitares, ces progressions très longues, il y a un côté progressif dans leur screamo et tout, qui m'a tout de suite parlé, quoi, qui est assez ouf. Il y a mono aussi dans le genre de post-rock japonais très classieux comme ça. D'accord. Et alors, donc, tu disais que lycéenne, t'étais un peu la weirdo du lycée, quoi. ouais, mais c'est un moment où, en fait, j'avais vraiment très, très peu de potes. Et tous mes potes, c'était aussi des weirdos. Et puis, c'était pas des rockers. Hein. Au début, c'était vraiment des nanas qui écrivent des romans sous les escaliers, des cours. Et c'était littéralement ça. Écoute, c'était très cool. Et puis, en fait, assez rapidement... je me suis mise à composer de la musique parce que j'étais avec des filles qui étaient très créatives et qui s'en foutaient en fait complètement d'être mal regardées par les autres, qui étaient vraiment genre ah bah moi je fais ce que je veux, j'écris ce que je veux, je m'en fous. Mais c'est le secret du bonheur, il est là. Hein. Bah ouais, c'est ça. Je me suis dit ah ouais, elles s'en foutent du jugement, alors que voilà, c'était des meufs avec des culs de bouteille, des bagues, sapées par leur mère, un peu ringardos et tout. Et je me disais mais voilà, elles sont trop cool, elles s'en foutent du regard des autres. Moi, je vais faire mes compos tranquilles. Et puis en plus, elles me soutenaient, elles écoutaient, elles disaient oh t'es trop forte, c'est vachement cool ce que tu fais. Donc j'ai continué. Et puis un jour, j'ai fait écouter à mon père en vacances. Je lui ai dit ah j'ai composé des petits trucs, je peux te faire écouter. Et mon père, il m'a dit mais c'est génial. Mais attends, mais t'es super forte en fait. Enfin, tu composes, t'as plein d'idées de compos et on sent tes influences. Et je pensais pas du tout mais, que tu faisais ça à côté. Mais vas-y, mais fais des trucs, quoi. Et à ce moment-là, bah, j'ai composé en vue d'enregistrer des trucs, mais juste pour moi, tu vois, pas les envoyer ou quoi. Et donc, mon père m'a dit, bah, si tu veux, tu viens en vacances, je te présente machin, il va faire des batteries, je te présente un tel, il a un petit studio, ce sera rigolo, voilà, comme on travaille ensemble, on prendra peut-être 30 minutes, une heure et tout. Une chance inouïe, ça. Énorme, énorme chance. Et c'est vrai que je réécoute, je les ai encore ces compos sur mon ordi. Des fois, j'écoute, je fais oh, comment j'avais pas confiance en moi. Oh là là, c'est horrible de m'entendre chanter où je marmonne. Je me vois mettre les mains dans mon pull parce que je suis inconfortable et tout. Enfin,
Et ça s'est jamais arrêté depuis parce que mon père m'a dit bah vas-y, je te laisse Cubase et Acid Pro et puis là je pars faire un tour et puis enregistre ce que tu veux et puis quand je reviens je pose une guitare dessus, fais piano voix basse et puis moi je pose des trucs dessus. On appellera Quentin Geiss, excellent batteur, peut-être que tu le connais, avec qui j'ai travaillé pendant super longtemps, qui pourrait être mon grand frère très clairement. Mmh. Et qui est le batteur de la, ça s'appelle la choucrouterie, c'est, la je choucrouterie, crois que c'est la choucrouterie. Ouais. Mmh. Ouais. Qui a fait assez longtemps toutes les tournées de la chouque avec eux, donc voilà, qui est le fils de Clémentine d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure, d'accord. qui faisait du jazz. Okay. Et qui a commencé à faire des batteries sur mes projets en me disant oh, c'est super, en plus tes compos elles sont bien, c'est rock, ça fait un peu Foo Fighters, moi j'aime bien. Je fais ah, Foo Fighters c'est quoi? Donc j'écoute Foo Fighters et en fait à partir de ce moment là ça a vraiment été une spirale de rencontres musicales de musiciens super cool qui ont cru en moi. En fait c'est vraiment que des gens qui m'ont dit ah mais c'est cool ce que tu fais, moi je veux bien essayer de faire ça sur ton projet, ah mais c'est sympa ça, tu devrais l'envoyer à un tel, attends je te donne l'adresse mail. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'est génial. Enfin, tu donnes plein de messages d'espoir, en fait. c'est super parce que on a l'impression que, alors, j'irais pas dire que c'est un conte de fées non plus, mais je veux dire, t'as plein de planètes qui se sont alignées en tout cas au mm-hmm. bon moment avec des rencontres qui de bonnes personnes. C'est ouais. c'est bien aussi d'entendre ce genre de parcours parce que y a pas que des galériens hein, finalement dans la musique, il y en a beaucoup hein. Ouais. Mais des fois effectivement et c'est ce que je donne aussi souvent moi comme exemple quand je discute avec des jeunes musiciens, alors j'entends jeunes, plus jeunes que toi je veux dire, mais qui m'envoient des trucs aussi, ouais, j'aimerais bien avoir ton avis, et comment t'as fait pour bosser avec un tel machin et tout, et en fait je leur dis mais écrivez aux gens en fait, écrivez-leur tout bêtement, présentez-leur vos envies, votre parcours, prenez les gens au sérieux en faisant, comme tu disais tout à l'heure, en étant le pro, voilà. Ouais, Et tu verras que les portes elles s'ouvrent parce que, ben, en fait, les gens sont contents que tu les contactes, parce que c'est aussi une forme de reconnaissance pour eux, tu vois. Enfin, c'est un échange en fait. La musique elle est faite pour ça, pour échanger. Et en fait, je pense que quand tu t'adresses de la bonne manière à la bonne personne, ça match, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Bah là, si pour les auditeurs et auditrices qui écouteraient ce podcast, je peux donner un petit conseil, c'est vraiment le fake it till you make it. Mm-hmm. C'est vraiment ce que j'ai fait en démarchant des gens. C'était si j'y croyais pas trop moi-même, je me disais il faut que je masque comme si ce que je faisais c'était hyper légitime, que j'avais grave confiance en moi, que ce que je faisais c'était évidemment super génial. Je vais leur envoyer un mail plein d'assurance et surtout en parlant comme si je connaissais vraiment très très bien ce que je faisais, pas du tout comme si c'était la première fois de ma vie que j'envoyais un mail à quelqu'un d'un peu important. En disant voilà mes maquettes, je vous propose de les écouter, et puis en prenant une posture pro, en disant voilà, je me mets à votre disposition pour peut-être se mettre en studio, jamais voilà, sortir un peu du lexique qui fait pro. Mmh. Et c'était vraiment ça les premières années, en disant j'ai pas énormément d'expérience, mais ce que j'ai, je sais que voilà, je suis quelqu'un, je suis droite dans mes bottes, on me dit de venir à telle heure, d'être là, je peux le faire. À tel endroit, je peux le faire, s'il faut voyager à l'autre bout du monde pour le faire, j'irai. S'il faut être là à 3h du matin pour répondre à un call, je suis là. Et voilà. Et c'était vraiment de l'audace, en fait. De l'audace. Je te disais tout à l'heure que j'étais extravertie. Ma personnalité l'est, mais socialement, je ne suis pas très extravertie. Je suis un peu, j'ai un peu du mal à faire le premier pas. Une fois que c'est fait, ça roule tout seul. Mais envoyer un mail, voilà, tu vois, passer un coup de fil pour commander une pizza, pour moi, c'est traumatisant. Donc, envoyer un mail super important à quelqu'un de super important avec mon art dedans, ça représentait une énorme marche, une énorme difficulté pour moi. Et c'est vraiment mon père qui a cette attitude-là au culot, genre « mais tu t'en fous, mais fais-le, mais merde quoi, mais vas-y, mais... » Et puis tu leur montres qui t'es, et puis t'es trop forte, et vas-y. Et en fait, tu vois, je pense que si j'ai progressé, si j'ai réussi à monter un peu dans la sphère pro aussi, c'est parce que j'ai été entourée de personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont poussée à avoir de l'audace. Qui t'ont mis le coup de pied au cul au bon moment.
Ouais, c'est ça. Et qui m'ont dit, mais voilà, t'es quelqu'un de talentueux, t'es marrante, t'es bavarde, tu fais des trucs, voilà, ouais, t'es rigolote. Ouais, et t'es légitime, super important, la légitimité. La légitimité, j'imagine qu'en plus, quand tu es musicienne dans le milieu rock, c'est con à dire, mais c'est bourré de clichés. Et j'ai l'impression que la légitimité, il faut aller la chercher deux fois plus fort que chez un homme, quoi. Ouais, c'est peut-être cliché ce que je te dis, hein, mais tu me dis. Non, mais c'est très très juste et c'est bien d'en parler parce que je pense qu'il y a pas mal de musiciens aujourd'hui qui se rendent pas compte à quel point ça demande et ça fait appel à un saboteur intérieur des fois, vraiment, de monter sur scène en tant que femme et de se dire, il y a tellement de clichés autour de la non-performance, mauvaise technicité des femmes, que quand on monte sur scène, on ressent parfois, en tout cas moi je l'ai ressenti, le besoin d'être doublement technique, d'être vraiment meilleur que tout le monde, de démontrer que je sais faire des trucs. Oui, je sais jouer de la basse. Oui, je sais chanter. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'au début, tu vois, de Grande Masachise, les premières fois où on est monté sur scène, on a fait des concerts un peu cool et tout, au début du projet, et c'est quelque chose qu'on ressentait toutes les trois avec les trois filles du groupe, c'est un peu envie de faire des trucs techniquement compliqués, donc commencer un peu par le prog. Ouais, pour vous, au lieu de vous le prouver à vous, pour le prouver aux autres, quoi. Ouais, c'est ça, pour dire on est légitime d'être là, regardez, en plus on sait jouer, tu vois. Et en fait, il y a un truc horrible qui se passe dans le milieu musical vis-à-vis des femmes, c'est que, et puis vis-à-vis du genre de musique, c'est que les gens disent le punk c'est facile. Voilà. Il y a vraiment un truc entre le punk et les femmes. Je sais pas comment ça s'est construit en disant le punk c'est simple, il y a trois accords, c'est des power chords, c'est pas compliqué, c'est pas technique, c'est un truc de femme. Le punk c'est un truc de femme. Donc déjà le punk, je suis désolée, il y a vraiment des groupes, mon groupe préféré c'est The Stranglers et c'est vraiment pas du tout un groupe à power chords et c'est du punk et c'est hyper technique, les compos sont sublimes. Ouais, et puis punk ça veut tout et rien dire aujourd'hui, les ventailles du punk, c'est énorme. Oui, c'est ça, exactement ça. C'est ça, ça veut absolument tout et rien dire. Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce cliché misogyne de dire, voilà, les femmes, techniquement, elles ne savent pas changer une roue d'une voiture, elles ne savent pas jouer de la guitare. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai effectivement cette vision de... comment dire, je pense que le problème est plus marqué, bizarrement, dans le rock, parce que, comme tu dis, il y a ce côté... de l'imagerie, une nana super bassiste ou super guitariste ou super batteuse, c'est pas logique. Alors que quand on pense virtuose violon ou virtuose piano, ça ne choque personne de voir une femme derrière un instrument classique. C'est ça. Et donc c'est ça qui est fou, le rock est censé être la musique de la liberté, de la rébellion, où justement on casse les codes et donc... Tu te dis, ça serait le terrain de jeu parfait pour une nana. Finalement, non, c'est pas si simple, quoi. Et que finalement, c'est dans le classique qui est justement super structuré, où là, ça choque personne. C'est quand même pas très logique, tout ça, quoi.
moi, je trouve, j'ai l'impression en tout cas, que c'est pas mal dû à une image un peu patriarcale de la femme, comme quoi on représente la douceur, une image un peu éthérée, tu vois, quelque chose de gentil, de sensible, de doux en fait. Et le rock ou le métal ou les musiques extrêmes ou un peu techniques ou les musiques où on se lâche un peu, genre le free jazz, tu vois, où tu te dis, ouais, bon, voilà, une meuf qui fait un solo de saxophone complètement endiablé, c'est... Y a des gens pour qui ça représente encore, ça pêche un peu, tu vois, dans la tête, l'image, elle est pas claire. Et si c'est le cas, alors il faut la sexualiser. Si c'est une rockeuse, alors c'est une meuf en barésie qui fait un truc de fou, ça peut pas être... Sinon, c'est dissonant, en fait, tu vois, vis-à-vis de l'image un peu classique qu'on a un peu ancrée. Moi-même, quand j'étais gamine, déjà, mis à part des chanteuses, j'avais pas trop de vision de femmes instrumentistes. Et puis surtout, celles que j'avais, c'était genre les Runaways. Et je me disais, ah ok, donc seins nus en culotte avec des porte-jartelles, sinon rien. Ou Debbie Harry. Et évidemment, à chaque fois que tu vois Debbie Harry, elle est en mini truc. Et ce qui est hyper ok, en plus, période punk. Donc vraiment, toutes les raisons d'être en porte-jartelles et seins nus, quoi. Mais dans la folk, t'as des représentations de femmes, elles sont hyper douces, il y a un coucher de soleil derrière, elles ont une belle guitare, machin. Elles ont pas l'air de scrimer leur race dans un micro, tu vois. Ouais, il y a dans les années 90, il y avait L7 qui avait un petit peu lancé cette vague grunge, avec Creeders. Ouais, c'est ça. Où d'avait commencé à y avoir des représentantes féminines dans le rock qui assumaient totalement le truc. Qui ont peut-être commencé à ouvrir certaines portes, mais ça a mis vraiment du temps, beaucoup d'inertie. Ouais. Et alors, moi, je vois, je prends l'exemple, évidemment, on parle de Katia, puisque Katia, qui est la bassiste de mon groupe, des Los Dissidentes del Socio Motel, donc que tu connais aussi, j'ai cru comprendre. Alors, je ne sais pas si vous vous connaissez personnellement ou si c'est juste via les réseaux. Et tu sais quoi, je crois qu'on ne s'est jamais vu. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on ne s'est jamais vu. Moi, je l'ai déjà vu sur scène, au CAM à Strasbourg, d'ailleurs, mais il y a très, très longtemps. Mm-hmm. Et puis, sinon, je la suis sur Facebook. Je crois que c'est une des premières musiciennes que j'ai demandé en amie sur Facebook naïvement quand j'étais ado, en me disant « Oh, elle est vraiment trop classe, elle est trop belle, elle joue trop bien, c'est qui ? Je veux trop être son amie, Facebook. » Donc, elle t'adore aussi. Figure-toi que c'est elle qui m'a fait découvrir votre groupe, en fait. elle est adorable. Elle nous avait envoyé une live session que vous aviez faite. Je ne sais plus ce que c'était le morceau, mais c'était une live session un peu dans un appart. Ouais, c'était les capsules. Je crois que t'avais les cheveux orange à l'époque. Ouais. Et elle nous avait dit, vous qui... Parce qu'en fait, Katia, elle n'est pas du tout du milieu du stoner à la base. Hein. Ouais. Et elle en écoute très, très peu. Elle nous avait dit, ouais, vous qui aimez le stoner, regardez, il y a un groupe de nanas, c'est trop bien et tout. Et elle nous avait envoyé ce morceau. Moi, qui suis guitariste, forcément, j'écoute toujours le son de guitare et tout ça. J'avais dit, elle a un son fuzz qui me plaît, j'aime bien. et c'est comme ça que on vous a découvert et qu'on a suivi le truc. Et j'aime bien. Alors c'est voilà. Donc nous, quand on a changé de bassiste, je me souviens qu'on avait forcément fait une liste de tous les contacts de bassistes qu'on avait dans la région qui pouvaient potentiellement remplacer. Et on avait Katia dans le lot qu'on connaissait très peu finalement humainement. On la connaissait du réseau alsacien parce que Katia, tout le monde la connaît un peu ici, quoi. Et donc elle a intégré le groupe. Et alors il y a un truc que je voulais te demander par rapport au courant More Women on Stage qui a ouvert la voie, je l'espère en tout cas, à plein de musiciennes, qui a peut-être motivé des musiciennes à oser monter sur scène, etc. Et je suis ultra favorable à ce truc-là. Je sais que Katia a une certaine réserve sur ce genre de mouvement. Alors, elle adore le fait qu'il y ait plus de nanas sur scène. Évidemment, c'est la première à le crier haut et fort. Mais je me pose la question toujours de... est-ce que tu crois que le fait
d'être un trio de groupes 100% féminins aujourd'hui, mm-hmm. est un avantage ou un handicap en fonction de la perspective qu'on prend. C'est-à-dire que, est-ce que tu crois que le fait d'être toute qualité musicale que vous avez, qui est incontestable, le fait d'être trio féminin en 2024 dans le courant More Women on Stage vous a permis d'être plus mis en avant que si vous aviez été le même groupe de mecs. Tu vois ce que alors, je veux dire? Je ne sais pas si j'exprime bien mon non, truc. Non, mais si, tout à fait. Genre discrimination positive un peu. Alors ouais, c'est, voilà. C'était un effet discriminatoire. Katia, des fois, elle a un peu ce sentiment-là quand elle regarde ça d'extérieur. Parce qu'elle, si tu veux, elle n'a pas eu besoin. Comment dire, ça fait des années qu'elle fait ça, tu vois. Et donc, elle a connu le avant Man Woman bien on sûr. Stage et elle a réussi à faire son trou et elle a toujours joué avec des mecs et elle n'a jamais eu de problème, tu vois. Ouais. Et nous, quand il a été question de choisir un remplaçant à la basse, mais en fait, on s'en foutait, homme ou femme, non, on voulait la meilleure personne. Il s'avère que c'est tombé sur Katia parce qu'il y a eu une logique quand on a joué ensemble. On s'est dit, ok, elle a le son, elle a l'attitude, elle a l'état d'esprit, ça va le faire. Et puis voilà, ça marche super bien. Et donc ce côté un peu discrimination positive, je voulais avoir justement ton avis, toi, de musicienne. C'est une excellente question. C'est une question qui est ambiguë. Mais je pense que les gens ont peur de la poser, en fait. Non, mais tout à fait. Et alors moi, j'ai un point de vue un peu gris là-dessus parce que en fait déjà on est consciente que le fait d'être un trio de femmes sur scène ça attire l'œil déjà parce que forcément. Bon voilà il y a t'as forcément les gars qui sexualisent les femmes sur scène qui sont très contents de voir des gambettes et des guitares et c'est vraiment il manque plus qu'une moto et on a la sainte trinité du beauf tu vois un peu pardon ouais, pour les personnes qui aiment les femmes les guitares et les motos je comprends très bien hein, c'est pas c'est juste dans un point de vue sexualisant c'est pas agréable en tant que femme. C'est pas du tout une question piège hein, que je te pose. Non, hein. Non, je veux pas bien que sûr, tu prennes bien ça sûr. Comme un, non, comme non, un pas traquenard. Du tout. Non, ouais. Non, t'inquiète pas, absolument pas. Mais c'est super important et intéressant que tu la poses, je trouve, parce que il y a un vrai, c'est pas vraiment un problème, mais ça commence à coincer depuis que enfin il y a énormément de personnes qui se posent des questions et nous les premières, tu vois, en se disant par exemple on a joué au Hellfest l'an dernier, est-ce qu'on a joué au Hellfest parce qu'on mérite d'être au Hellfest ou est-ce qu'on a joué au Hellfest parce qu'ils avaient tellement peu de femmes sur leur programmation et ça leur était tellement reproché qu'ils se sont dit bon vas-y un trio des meufs et tout, donc en fait des fois on joue dans des trucs et on se dit mais est-ce qu'on le mérite vraiment? Ou est-ce que c'est par défaut parce qu'ils avaient besoin d'un groupe de meufs? Il y a de terribles tourneurs qui proposent leur service en tant que booker en disant ah bah il me faut un groupe de meufs n'importe lequel à caser sur des soirées meufs donc ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui d'autre, on s'en fout. Ça c'est détestable comme attitude vraiment. Ok, mais et c'est puis, bien que tu le dises. Voilà, il faut que parce que tu veux, moi c'est un sentiment que j'ai aussi d'extérieur d'être dans le milieu depuis longtemps aussi. Et j'avais cette impression-là, et je me dis, mais c'est peut-être toi, tu te fais des films, mais non, en fait, non, c'est fou que tu confirmes, justement, en tant que femme, quoi. Bah c'est un peu moitié-moitié aussi, parce que d'un côté, il y a l'importance dans ce mouvement de la représentation, et c'est sûr que, bah, tu vois, moi, quand j'étais petite, j'aurais bien voulu voir un groupe comme Grande Masachise, où j'aurais c'est bien grave. Aimé connaître Katia, et me dire, ouais, elle est trop badass, c'est quoi son instrument? Ah, c'est une basse, je connais pas, tu vois, et me dire, je vais mettre à la basse pour être comme Katia, mon modèle, tu vois. Et il n'y avait pas, mis à part bon, des modèles féminins, plutôt des années 80, mais des personnes de ma période, moi, j'avais les L5, j'avais Laurie, j'avais Priscilla, tu vois, et j'avais pas d'instrumentiste. On n'est pas dans le même délire, ouais. Bah voilà, c'est ça. J'avais pas de meuf dans le rock, en fait, tout simplement, avec une attitude rock et un peu peut-être moins commerciale aussi. J'adore Priscilla, hein, j'adore Laurie, j'adore les L5, mais c'est pas la question. Et c'est vrai que là, par exemple, nous, on assiste. À des soirées, des fois, qui sont des soirées à thème. Moi, je suis un peu virulente là-dessus, ça me met un peu en colère, parce que c'est rarement très...
je trouve pas le mot très pertinent. C'est rarement très pertinent, ce genre de soirée, parce que c'est soirée 100% femme dans la musique. Et du coup, on va mettre un groupe de rap, parce que c'est une rappeuse avec une DJ derrière, le groupe Grande Masachise, et puis ensuite une meuf qui fait de la folk avec sa productrice derrière, et puis ensuite une meuf qui fait du hula hoop, et puis voilà. Et tu dis, mais c'est, ça n'a ni queue ni tête. C'est agréable pour personne, ni pour le public, ni pour les artistes, parce que du coup, la soirée, elle a une ambiance qui est hyper bizarre, c'est pas du tout cohérent. C'est pas grave, mais c'est vrai que ça pose des problèmes au sein de la soirée, parce que, bah, par exemple, les gens, le public va venir voir le groupe de rap, donc un public peut-être plutôt rap, pas hyper intéressé par les autres genres, et va partir en fait après le concert et va même pas profiter des autres personnes dans la soirée. Ensuite va y avoir nos fans qui vont dire ouais, voilà, moi je m'en fous des DJ, j'ai pas envie de voir ça, moi j'ai envie de voir du rock. Après nous, ils partent, ils viennent pile à l'heure de notre concert et ils voient pas ce qu'il y a avant, et en fait ça fait des soirées, moi je trouve ça nul. Et puis quand t'as les soirées aussi 100% rock féminin. Ouais, bah c'est ça. Trois mais c'est groupes avec que des filles. Alors, ok, c'est super de les mettre en avant, mais en fait, pourquoi ça fait un peu venez ça voir fait... un peu le bah, ça, au cirque. Ça fait un peu, ça fait enfin, un peu fétichiste, en fait, même ouais, des fois. Il y a un côté, c'est que bah, tu vas au zoo pour voir. Vous avez vu, il y a des filles qui font de la musique. Exactement. En fait, s'il y a ce côté-là qui me dérange un peu, j'ai du mal à comprendre, quoi. Mais ça fait très zoo, en fait. Ça fait très exposition ouais, voilà, universelle, ça. Un peu. Venez voir mon roster de femmes. Et moi, enfin. Ouais, d'un côté, c'est très énervant, c'est pas hyper pertinent, c'est un peu fétichisant. D'un autre côté, est-ce qu'il faut pas passer par là pour visibiliser et surtout, mot très important, normaliser la présence de femmes pour petit à petit, au début, faire un événement de la soirée 100% rock féminin, et puis petit à petit dire, voilà, en fait, il y a tellement de groupes féminins, il y en a tellement qui se créent, que maintenant, on n'a plus besoin de faire des soirées 100% rock féminin, on va juste faire une soirée rock. Je pense que le but initial de Lola dans Pogo, c'était sûrement ça. Après, le mouvement a pris une ampleur folle. Alors, j'espère un jour que je recevrai Lola pour en discuter avec elle, parce que c'est sûrement très intéressant. Tu lui passeras le bonjour, on la connaît très bien aussi. D'accord. Bah, moi, encore une musicienne que je ne connais pas personnellement. J'écoute sa musique. Je trouve que c'est une bassiste de ouf, quoi. Ouais. Qui a un son énorme. Mais je trouve ça super qu'elle ait créé ce mouvement. Il y avait besoin d'un déclencheur là-dessus. Ouais. Maintenant, je me demande si à un moment donné, voilà, cet effet de discrimination positive est bon ou pas. Tu vois, j'ai eu un exemple à un moment donné qui m'a questionné plus que dérangé, je dirais. À un moment donné, elles avaient lancé des masterclass de basse. Avec, je sais plus qui était la bassiste invitée, enfin bref, c'est pas le sujet. Et sur les premiers flyers, ils mettaient masterclass, More Women on Stage et tout ça, et ils incitaient les nanas à s'inscrire, génial, tu vois. Et ensuite, ils ont mis une mise à jour du flyer avec, en gros, interdit aux hommes, quoi. En mixité. Ouais, et là je m'étais dit. Mais est-ce que là, ça va pas trop loin ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Parce que je me dis, admettons, tu as, je dis n'importe quoi, tu as 30 places pour cette masterclass, tu as 25 nanas qui s'inscrivent, c'est génial. Ouais. Et puis, une semaine de la fin de l'événement, il te reste 5 sièges vides. Ouais. Tu préfères avoir des sièges vides ou d'essayer d'avoir des mecs justement qui sont bien un sûr. Peu open et qui viennent faire une masterclass avec une bassiste, quoi. Mais tu vois, je pense que ça, c'est aussi le débat autour de la mixité choisie dans des événements. Là, pour le coup, c'est vraiment histoire de laisser la place au maximum aux femmes et pas qu'il y ait, tu vois, parce que en fait, comme il y a peu de place, c'est des masterclass qui ont beaucoup de succès aussi. Le mouvement More Women on Stage, c'est un mouvement qui est extrêmement suivi par les jeunes femmes aussi. Donc, même pour les grandes, grandes débutantes, les masterclass, elles sont toujours pleines à craquer. Mais donc, tu vois, je pense que c'est plutôt pour éviter que, comme ça a beaucoup de succès, que les mecs se ruent dessus et que finalement, oui, on se retrouve à une masterclass où il n'y a que 5 femmes pour 25 mecs. Mais c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas faire priorité aux femmes?
Ouais. Tu vois, sur un truc comme ouais. ça. Ouais. Et que s'il y a 30 femmes, eh ben, il y a 30 femmes, tu vois. Mais que si je te dis, il ouais. y en a que 25 et qu'il reste 5 places, mais n'interdis pas aux ouais. hommes qui sont justement open, qui eux, ouais. Bah, sont pas dans les clichés, non, une meuf, bien elle sûr. Doit pas jouer de basse. Tu vois, donc ça, bien c'est sûr. Un truc que j'aimerais bien discuter avec Lola un jour. Je comprends aussi très bien ce point de vue. Et d'ailleurs, c'est vrai que priorité aux femmes, ce serait peut-être adroit, en tout cas pour pas se faire se questionner beaucoup de gens. Et il y a même des personnes que ça rebute hein, de voir mixité choisie. Ils font « Ah bah vas-y, c'est bon, je me désabonne, ça me saoule, j'aime pas voir ça. C'est un truc de woke, ça me gonfle. » Mais il y a aussi, tu vois, on parlait de légitimité tout à l'heure. Il y a aussi une part de... et je vais dire un mot, le mansplaining, où c'est vrai qu'au sein de la musique, il y a pas mal, on retrouve en tant que femme, ça dépend où on se positionne et ça dépend quel âge on a. Et plus je grandis, moins ça m'arrive. Mais quand j'étais une très jeune musicienne, les premiers concerts qu'on a fait avec Grande Masachise, il y a des gens qui venaient nous montrer sur les instruments où était le bouton du volume. Oh putain! Alors qu'on était sur scène et les personnes étaient dans le public, tu vois, en disant « Ah, pour allumer l'ampli, c'est là, n'oublie pas de le brancher », tu vois. Tu dis « Non, mais ta gueule, en fait. » Ta gueule, dégage, et, ouais. Et tu vois, dans ce type d'événement, comme c'est accessible à tout type de niveau et qu'il y a souvent, en fait, des personnes excessivement timides qui s'inscrivent à ça, des nanas qui vraiment sortent de leur chambre pour la première fois et osent dire « j'aime bien le rock ». Je pense que tu vois, s'il y avait le moindre soupçon d'un mec qui pose une question, qui prend un peu de place par habitude que ça arrive dans l'espace public, ça arrive beaucoup D'accord. dans l'espace public, il est possible que ces très jeunes femmes... Ne pose pas de questions et disent non bah rien en fait et puis profite pas de la masterclass pareil par habitude en fait tu vois donc c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi c'est une hypothèse mais j'ai pas cette vision parce que bah en tant qu'homme évidemment j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça mais je comprends maintenant ça tu vois c'est quelque chose c'est un argument que j'avais pas forcément entendu parce que difficile pour nous de se mettre dans cette situation-là, ne la connaissant pas. Mais c'est super. Bah écoute, je suis content qu'on ait abordé ce sujet-là. Moi aussi. Mais c'est important, tu vois, d'ouvrir les yeux aussi sur cette question-là, parce que moi, par exemple, quand je parle de ce sujet à mon père, qui est musicien aussi, tu vois, de mixité choisie, de féminisme au sein de la musique, mon père me dit « Ah, mais c'est bon, moi, de mon temps, voilà, il y avait Patti Smith, voilà, elle était seins nus sur scène, ça a toujours été OK. » Je lui dis « Mais en fait, quand t'es à l'intérieur de ça, tu te rends compte que non, c'est pas OK. » Et lui, c'est mon père, c'est un homme, c'est mon père avant tout, donc quand il m'arrive des trucs sur scène, des comportements sexistes, je lui dis et il est écœuré, tu vois. Et malgré cette connaissance-là, malgré que je sois sa fille et que je lui parle de ce qui m'arrive, il y a aussi des choses dont il ne se rend pas compte parce qu'il ne les vit pas vraiment personnellement. Et ce type de questions autour du clash homme-femme presque dans la musique et de la nécessité de créer des espaces favorables à l'expression musicale des femmes, c'est que vraiment, même si on ne comprend pas du tout, ou même si on comprend tout et qu'il y a un point où on se dit « mais ça, c'est trop bizarre », vraiment, si on ne l'a pas eu à côté de soi sur un siège, cette personne qui se fait marcher dessus, on ne peut vraiment pas comprendre. C'est impossible, ça paraît trop bizarre, quoi. Cette petite nana qui se fait couper la parole, mais 3 secondes, même un tout petit comportement, la voix un peu trop forte ou quoi, et voilà. Et tant que tu l'as pas observé, c'est impossible de dire que ça existe et donc de comprendre ce phénomène de clivage. Follow my heart's will.
Ok, bah merci Eva pour cette vision. J'espère qu'il va ouvrir le regard et l'esprit de certaines personnes qui écoutent, en tout cas. On va continuer un petit peu dans ton parcours. Alors, la première fois qu'on a parlé ensemble en message privé, justement pour préparer un petit peu le podcast. Alors déjà, je te remercie d'avoir trouvé un créneau si vite. Avec plaisir. Parce que voilà, je cours après certains invités pendant des mois, mais ça c'est cool. Tu m'as dit un truc alors qui à la fois m'a fait un bien fou à mon ego et à la fois qui m'a donné un coup de vieux de ouf. Et tu m'as dit que tu avais une affiche donc oui. Des Los Dissidentes chez toi quand tu étais ado. Oui. Alors écoute, ça m'a touché. Mais voilà. Quel âge a le groupe? Parce que moi, c'est une affiche. C'était un back to school avec un petit punk sur un tableau. Je sais pas si tu te souviens de cette affiche. Ah ouais, festival back to school. Ça devait être. C'était où? C'était à Célestat, ça? Ouais, je crois. Ouais. Ouais. C'est vieux. Bah écoute, nous, on va au mois d'août. Là, ça va faire 19 ans. Ah bah voilà, j'allais dire, est-ce que c'était pas il y a 15 ans? Et je me disais, si c'était il y a 9 ans, c'est pas sympa. Mais alors, non, c'est non. Peut-être ça, ouais. Non, c'est peut-être ouais, le cas. Ouais, alors. On est des vieux, hein. Mais bon, et tu sais quoi? Je crois que sur Strasbourg, on doit faire partie des plus vieux groupes, parce que récemment, il y a The Boring, je sais pas si tu connaissais ce groupe, groupe de punk hardcore, qui était mortel, qui était un tout petit peu plus vieux que nous, qui viennent d'arrêter. Donc un gros big up aux Boring s'ils écoutent, les copains. C'était un super groupe. Et je crois que maintenant, on doit faire partie vraiment des dinosaures du rock alsacien. Quoi. C'est cool. Mais bon, ça m'a fait plaisir. Magnifique. Ça m'a fait plaisir. Alors, on a d'autres contacts aussi en commun. On en parlait tout à l'heure un petit peu en privé tous les deux. C'est les copains de Mars Red Sky. Ouais, tout à fait. C'est Jimmy qui est booker pour vous, c'est ouais ça, c'est ça, absolument. Donc Jimmy, c'est le, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le bassiste de Mars Red Sky qui bosse pour le tourneur 3C et qui est une personnalité bien connue du milieu. Comment s'est fait votre rencontre avec Jimmy alors? En fait, on tournait dans le sud, lui il est bordelais, donc on a fait une date à Bordeaux, il nous a hébergé chez lui. Mmh. Et avec je sa femme, ouais, c'est vrai, tu y allais aussi. Ouais. Et avec sa femme Floriane, qui est adorable, qui s'occupait de notre presse internationale à ce moment-là. Donc nous, on avait surtout discuté avec Floriane à la base. Et puis voilà, on a fait un petit concert. C'était au Fiacre, je crois. Un sous-sol de bar assez petit avec un escalier très très exigu, donc pour le matos de basse je te raconte même pas, pour la grosse caisse non plus, enfin bref. Ouais. Et en fait Jimmy est resté au concert, il a trouvé le concert super. C'était un concert qui était un peu compliqué parce que c'était tout petit, parce qu'il y avait très très peu de place en bas, parce qu'il fallait faire un peu gaffe au son, parce que c'était un peu, c'était pas à l'arrache mais c'était quand même pas évident. Et Jimmy c'est quelqu'un de très intense, il a pété un câble sur le concert et il nous a recontacté même pas une semaine plus tard en nous disant écoutez, moi je suis à Paris la semaine prochaine, j'aimerais bien vous parler d'un truc, je crois que j'aimerais bien vous booker, j'ai vu en vous la suite logique de Mars Red Sky, voilà, nous on est des vieux mais vous voilà, le côté chant clair, instru lourde, moi ça m'a parlé et tout. Et alors petite anecdote, je pense que tu vas avoir l'exclu de cette anecdote parce que je la raconte beaucoup en off mais jamais au micro. Ah, d'accord. Mars Red Sky, c'est le premier groupe de stoner que j'ai vu en concert. C'est Myriam, la guitariste du groupe, qui m'a dit « Ah viens, il y a un groupe cool qui passe dans telle salle parisienne, viens. » Et je me suis pris une claque énorme et surtout j'ai vu Julien, le chanteur, guitariste, chanter en clair, chose que j'avais jamais encore entendue dans le métal pas symphonique, en me disant qu'est-ce que c'est que cet ovni, le gars c'est un moine, c'est magnifique, c'est merveilleux, il a une voix sublime, il y a des harmonies de voix avec le bassiste qui sont incroyables, derrière l'instru c'est un mammouth et pourtant ça reste élégant, il y a de la délicatesse, il y a de la poésie dedans, comment c'est possible? Et il n'y a pas très longtemps on a joué avec Mars Red Sky sur scène, on a fait un morceau avec eux Strong Reflection.
Ouais, Strong Affection, ils nous ont invités sur scène à le faire. Petit aparté, j'ai fait une reprise de Strong Affection en acoustique que vous pouvez écouter sur la page YouTube de Sapiens, voilà. Ah, incroyable. Eh ben, j'irai l'écouter quand on aura terminé. Je suis très curieuse. Et bah voilà. Et Julien m'a invité à faire du chant sur la compo sur scène avec eux. Et à la fin, j'étais hyper émue en lui disant, mais tu sais, en fait, c'est toi qui m'a donné l'impression d'être légitime en étant une chanteuse rock stoner metal avec une voix claire, en fait, avec une voix un peu qu'on pourrait qualifier de un peu fragile, un peu pop, tu vois. Et avant, bon voilà, pour moi, si c'est pas une meuf qui scream ou avec une voix soul, en fait, souvent tu vois dans le stoner, c'est des voix très sensuelles, très suaves, là où moi j'ai une voix plutôt scandinave, plus très claire, avec pas l'intonation très sexy, très latine qui peut y avoir souvent dans les femmes qui chantent du stoner. Et je lui ai dit, en fait, ça fait 10 ans que je t'ai vu en concert, et ça fait 10 ans que mon seul référentiel de chant clair qui me plaît dans le stoner, c'est toi. Et aujourd'hui, je chante en duo avec toi et je suis hyper émue. Et voilà, c'était merveilleux. Complètement. Je comprends complètement, parce que Julien, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'adore, que j'admire musicalement de ouf. J'aime tout ce qu'il fait. Il est excellent. Hein. Et c'est une personne formidable. Là, pareil, j'en profite pour faire un petit coup de pub, mais c'est, en tout cas, c'est le premier deuxième épisode, pardon, je crois, du podcast que j'ai coupé en deux. Tellement, voilà, l'épisode il dure 3 heures au final, parce que Julien, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et qui me passionne et qui a toujours voilà, quelque chose d'intéressant, une vision du monde intéressante toujours. Il est très créatif, c'est quelqu'un de très bon, sensibilité, je crois, il a une sensibilité à l'humain, tout ça qui est vraiment enrichissante, sa vision de la musique. Et moi, j'ai eu exactement la même sensation que toi quand j'ai vu Mars Red Sky pour la première fois, ce mur du son allié à cette voix d'ange cristalline comme ça. Je m'étais dit, ah ouais, on a le droit de faire ça, en fait. Exactement. Et ça marche. Alors, je pense que personne ne le ferait aussi bien qu'eux, mais en tout cas, force est de constater que cette fusion qui a priori n'a aucune raison de fonctionne à merveille. Voilà. Donc un gros big up à Mars Red Sky. Écoutez ce groupe fantastique. Le but de ce podcast, c'est de mettre en avant la scène française, parce qu'elle est quand même ultra riche et il y a des groupes formidable. Non, on va peut-être en profiter. D'ailleurs, quels sont tes groupes français préférés ? Je sais que tu es grosse fan de Gojira comme moi. Ouais, bien sûr. Bah, Igor depuis un an ou deux, là, j'ai découvert un peu par hasard et je les ai vus 3-4 fois en concert depuis, avec toutes les chanteuses possibles et inimaginables, sauf Laure, le Prunenec, que j'ai pas eu la chance de voir live. Quel regret. Mais j'ai vu la sublime Aphrodite Patoulidou, chanteuse grecque lyrique qu'ils ont eu à un moment sur la tournée, et qui était extraordinaire. C'est un groupe vraiment que j'affectionne particulièrement, aussi pour la subtilité de la composition, des changements, des influences. C'est complètement fou. C'est complètement fou, c'est baroque, c'est électro, c'est hardcore, c'est djent, c'est techno, c'est vraiment tout ce que tu veux, résolument métal, et c'est trop jouissif, quoi. Vraiment, à chaque fois, je suis en larmes à chaque concert, ça me fait, j'ai envie de me rouler par terre. J'adore ce groupe. Groupe français, pas évident. J'aime pas énormément de groupes français métal qui me viennent comme ça là. Métal ou autre, hein, tu peux. Métal ou autre, j'adore Priscilla, la chanteuse des années 2000. D'accord. Je trouve ça tellement kitsch que il y a des idées de voix dans Priscilla, mais repiquez-les, s'il vous plaît, c'est excellent. Les gens qui ont composé. Je suis passé à côté, j'avoue. Non, mais normal, en même temps, voilà, tu vois le truc. Si t'écoutes à la base du rock et du métal, t'as pas trop envie de cliquer, mais voilà, il y a des. C'est très très kitsch, mais c'est mon petit plaisir coupable, j'avoue. Richard Gottener, sinon, excellent compositeur, toujours un sens du jingle, puisque je crois que c'est ce qu'il faisait avant de faire des albums, qui me pousse à faire des mélodies efficaces et des choses qui se retiennent facilement.
dans la scène française. Tu me poses des colles. Il y a un groupe très très cool qui s'appelle Stinky, c'est du hardcore avec un chanteur qui s'appelle Claire qui est une personne géniale et d'ailleurs tous les membres de Stinky cette année, d'ailleurs, je crois, qui était au Hellfest cette année, qui a un autre groupe qui s'appelle The Ascending, c'est un peu dark folk, c'est très très beau, je vous invite à aller écouter, c'est voilà, big up aux copains. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Giant Fragments, qui est le groupe de metalcore, on va dire, de ma prof de chant saturé. Et c'est une personne avec une voix extraordinaire. C'est une femme dans le métal que j'admire énormément. Elle a vraiment une technique... Voilà, pour moi, elle est encore plus forte que Tatiana de Ginger. Vraiment, elle sort des sons des fois en cours. En plus, on fait des cours en visio et elle me fout par terre, quoi. Vraiment, ses clips, sa technique vocale, sa présence sur scène. C'est un groupe qui n'est pas excessivement connu. Et non, pourtant, j'en ai pas du tout entendu parler. Ouais. Vraiment, il gagnerait à l'être parce que ils sont tous techniquement hyper bons et puis mais elle surtout, elle envoie un truc qui me donne envie encore plus d'être chanteuse et de me sentir légitime en tant que chanteuse en disant c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment de la technique et c'est pas parce que c'est pas un instrument palpable que c'est pas un instrument et que c'est pas ça demande pas énormément de travail et du talent. C'est en fait. Peut-être le plus difficile des instruments parce que c'est justement celui qui est lié à la physique. Corporelle, ouais, donc ouais, c'est clair. Ouais. Ben alors ça me fait penser à un sujet qu'on n'a pas encore abordé. C'est justement la notion du développement de l'image d'un groupe. Vous qui êtes je dirais la génération un petit peu après la mienne. Je vois, moi, je dois être peut-être la génération de ta prof. Tu vois, moi j'ai 43 ans. Ouais. On a senti ce bouleversement des réseaux sociaux, etc., parce qu'on a commencé la musique bien avant. Moi, je faisais déjà de la musique avant Internet, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis curieux de connaître la vision, justement, de musiciens, musiciennes plus jeunes qui ont vécu et qui ont développé leur carrière avec déjà tout ça en place, quoi. Ouais. Pour toi, ça doit être très naturel, j'imagine, d'utiliser ces trucs-là ou au contraire, je sais pas, je pose la question, est-ce que c'est naturel dans votre génération, en fait, de maîtriser tous ces outils ou pas ? Je pense que ça l'est de les utiliser, mais pas de les maîtriser. En fait, c'est des outils qui sont très complets, très complexes et qui surtout aujourd'hui sont nécessaires au développement des projets puisque ça permet, c'est des cartes de visite virtuelles où on peut montrer tout ce qu'on veut et son travail et sa personnalité si on a envie et puis d'autres choses. Et les maîtriser, les comprendre, en jouer, se les approprier, c'est une science quasiment, enfin c'est un métier, hein. Vraiment les influenceurs quand on se fout de leur gueule en disant qu'ils foutent rien, l'air de rien, il y a quand même un très très gros travail de compréhension de l'outil derrière qui est franchement je vais pas te mentir, c'est épuisant. Ouais, et puis les règles changent sans arrêt en plus. Ouais, c'est ça, les algorithmes et tout. Je pense que ma génération, ceux qui ont commencé avec Internet quand ils avaient une dizaine d'années et qui là sont à leur trentaine, donc 20 ans d'Internet dans la gueule, en ont marre. On est accro, moi je suis accro à mon téléphone, je suis accro aux notifications. Dès qu'on poste un truc, je me dis, ah mon Dieu, est-ce que ça a été vu ? Est-ce que les gens ont compris ce qu'on faisait ? Est-ce que ça a touché la bonne cible ? Est-ce qu'on l'a posté à la bonne heure ? Est-ce que ça va nous emmener là où on avait prévu que ça nous emmène, de partager telle photo, telle vidéo de concert, renouveler son contenu sans arrêt ? C'est vous qui gérez vos réseaux, justement ? Ouais, c'est nous et on est aidé par notre manageuse qui s'appelle Angie de Énervé Promotion. Big up aussi à elle, qui est une femme extraordinaire dans le milieu musical, qui soutient beaucoup de groupes géniaux, qui nous fait des plannings de com à respecter en disant voilà, là ce qui intéresse les gens en ce moment, c'est plutôt de voir des backstage, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous rigolez, est-ce que vous mettez des caisses, est-ce que vous mangez des glaces, est-ce que vous passez 2 heures aux toilettes parce que vous êtes stressé, il se passe quoi dans les backstage de Grandes Masachises, et en fait c'est ça, c'est se torturer la tronche tout le temps pour savoir
qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce que les gens veulent voir. Des fois, on se rend compte que les gens sont des voyeurs et que en fait, ce qui les intéresse, c'est ce qu'on appelle du lifestyle, c'est-à-dire comment est-ce que Eva choisit sa garde-robe le matin avant d'aller chanter. Mais on s'en fout en fait. Enfin, non, on s'en fout pas. Mais c'est pas le propos. C'est vraiment pas le propos. Quel est le plat préféré de la batteuse? Est-ce qu'elle mange épicé? On s'en fout quoi. Vraiment, c'est chiant. Mais nous, on a fait exactement le même constat que toi. Parce qu'en fait, justement, on a commencé à se dire c'est pas notre génération, mais comme tu dis, c'est indispensable. Ouais. Donc, on joue ce jeu-là. Aujourd'hui, on le prend comme un nouveau terrain de jeu et d'expression pour pas qu'il y ait le côté pénibilité du truc, tu vois. Ouais, ouais. On essaye de faire des trucs qui nous amusent aussi, voilà. Mais on a fait ce constat que tu balances un clip qui t'a coûté du pognon, qui t'a coûté des heures de la logistique, du montage, des équipes, tu vois, un investissement fou, tu vois. Ouais. Tu vas recueillir 80 likes quoi, qui est déjà très bien. Ouais. 15 jours plus tard, tu balances une photo à la con où on est dans le van en train de faire les cons, où Tammy ou Katia est un petit peu en avant, qu'elle s'est faite jolie, tu vois, et qu'on est en train de déconner, tu vas faire 200 likes. Bien sûr, c'est hyper frustrant. Mais c'est ça, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Et en fait, cette culture de l'instant, et comme tu dis, ce côté un peu voyeur, ouais, il y a peut-être ça. C'est du voyeurisme, vraiment, souvent, c'est malsain, quoi. Et nous, on essaye justement de ne pas en jouer, quoi. Alors, on fait des private jokes entre nous en disant « Vas-y, prochain poste, il faut que ça soit absolument une photo de Katia, sinon tout le monde s'en fout, tu vois. » Mais nous aussi, on fait ça. Genre « Ah non, il ne faut pas poster une photo de t-shirt, il faut une photo de nos têtes en gros plan, sinon les gens ils vont pas liker le truc. » C'est chiant. Non, mais c'est ça. Alors, on rentre pas dans ce jeu, évidemment, parce que comme tu dis, c'est tout l'inverse de ce que tu veux défendre. Tu veux défendre un projet artistique, c'est tout. C'est clair. Mais force est de constater qu'effectivement, tu balances une photo d'une connerie, mais ça... Ouais. Mais alors, est-ce que c'est l'algorithme qui va mettre plus en avant ce truc-là et du coup, t'as plus de gens qui tombent dessus et qui sont susceptibles de liker ton truc que de mettre en avant ton nouveau clip ou j'en sais rien, ton nouveau single. L'algorithme ne met pas en avant et donc du coup, moins de gens tombent dessus. Tu sais plus au bout d'un moment. Ouais, en fait, en plus, il y a tellement de données vis-à-vis de ça. Il y a nous, des fois, on a balancé des trucs et en fait, on se disait, tiens, c'est marrant, il y a vraiment... habituellement, on a, les jours où on est chanceuse, on a 700 likes sur un post. Bon, après, on est trois nanas, donc c'est vraiment facile de cliquer sur un truc comme ça. Les gens, ils font « Oh, qu'est-ce que c'est ?» En plus, elles sont habillées en cuir. Waouh, ils cliquent dessus. Bon, on fait pas exprès, mais on les poste, on est contente, tu vois. On poste un clip en se disant « Voilà, habituellement, on a plein de likes. » Et là, on comprend pas trop. Il n'y a pas trop de likes sur celle-là. Trop bizarre. Et puis, les jours passent. On poste d'autres contenus. Ça cartonne comme d'hab et on revient sur ce poste en disant c'est trop bizarre quand même que celui-là il perce pas, en plus c'est notre clip qui s'appelle Eside, il est super beau, vraiment le gars qui l'a fait qui s'appelle Julien Metternich il s'est craqué pour faire un truc incroyable avec des moyens, avec peu de moyens il a fait un truc vraiment très beau, pourquoi ça marche pas, je comprends pas. Et en fait, on est allé chercher un peu dans les coulisses de ce poste-là, dans les paramètres d'Instagram, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il n'est pas visible. En fait, les gens ne voient pas ce poste. Et c'est parce qu'en fait, il y a un baiser entre deux femmes qui est visible dans le clip. Et Instagram a fait « Oh mon Dieu, c'est de la pornographie, c'est de l'incitation. » Alors, on ne sait pas si c'est de l'homophobie intégrée par l'algorithme, si c'est parce qu'il y a des personnes qui s'embrassent dessus, où ils se sont dit « Oh mon Dieu, il y a des gens qui se roulent une pelle, c'est contenu pornographique, il faut épargner les gens. » Et en fait, on a reçu un message... Et c'était dans l'extrait que tu avais mis en plus ou pas? C'était dans l'extrait, ouais, c'était dans l'extrait. D'accord. Et en fait, dans les paramètres, on avait reçu un message qui nous disait « On a modéré votre contenu parce que il y a du contenu qui est explicite dedans, on peut pas montrer. » Et nous, on s'est dit « Mais vas-y, quand c'est un homme et une femme qui s'embrassent, ça fait pas ça. Est-ce que... » Donc on a psychoté. Est-ce que c'est parce que c'est des lesbiennes qui s'embrassent? Est-ce que... On sait pas. Mais des fois, il suffit d'un rien. Alors que moi, des fois, sur mon compte perso, je tombe sur du contenu de trucs fétiches en latex. Et là, il n'y a aucun souci. Et le truc, il a 18 000 vues et il n'y a pas de problème, tu vois. Et c'est hyper aléatoire. C'est hyper discriminant.
C'est évidemment hyper sexiste, c'est toujours les femmes vachement plus en avant que les mecs, donc tu peux poster une photo de toi qui est sublime, Katia elle aura toujours 200 likes de plus que ta tête, parce que t'as une barbe et que t'as pas un trait d'eyeliner, donc ça marche pas, tu vois. C'est rageant, hein, je comprends, c'est discriminant, c'est rageant. De la discrimination sur la scène musicale qui là c'est plutôt le préjudice féminin et là sur les réseaux sociaux c'est plutôt le préjudice masculin. Mais c'est il n'y a pas de logique là-dedans, hein. C'est encore une problématique liée à une énorme binarité de la vision homme-femme dans la musique, dans l'art de manière générale, une photo d'homme c'est moins fantasmé qu'une photo de femme, il y a une représentation très très genrée de ce qui plaît dans l'art, après c'est peut-être les femmes sont moins ancrées à fantasmer comme ça sur la photo d'un mec, j'en sais rien, tu vois. Franchement, je pense, moi-même, regardant beaucoup de contenu avec des photos d'hommes que je trouve très belles et ayant des crushs monstrueux sur des chanteurs de métal, notamment, je pense à Peter Steele de Type O Negative, bien sûr. normal. Ça, c'est un peu facile. Ouais. Je pense pas. Hein, c'est aussi un peu le débat homme-femme sur est-ce que les hommes ont plus de désir que les femmes, tout ça un peu. Et en fait, je pense que c'est vraiment influencé, un peu comme BFM TV, par le contenu qu'on te montre, en fait. Le contenu récurrent, tu vois tellement souvent des images de femmes, et c'est tellement plus rare de voir des images d'hommes, que tu finis par intégrer le fait que voir des femmes, c'est plus beau, c'est comme voir des personnes grosses sur les réseaux sociaux, t'en vois jamais. Et quand t'en vois, bah, t'es choqué, parce que c'est la première fois que tu vois une meuf avec un bourrelet, tu te dis, ah, c'est bizarre, tout ça. Et donc voilà, c'est le cas pour plein de représentations qui sont vraiment ancrés, tu vois, c'est vraiment stéréotypé, je trouve, mais à chaque fois que j'ai cette discussion-là avec des personnes, on finit par tomber un peu d'accord sur, c'est vrai que si tu regardes ton feed Instagram ou en tout cas ce qui t'est proposé par l'algorithme, c'est ce sur quoi tu cliques, et du coup ça va engrainer l'algorithme à te reproposer plus ce contenu-là, et finalement c'est un peu un cercle vicieux de propositions qui deviennent de plus en plus bêtes et de moins en moins personnalisées, puisque il te propose des femmes, tu cliques sur des femmes, donc il te repropose des femmes, et puis tu vois plus que des femmes, et du coup tu trouves ça normal de voir que des femmes, et du coup tu cliques sur la photo de Katia et pas sur la tienne. Exactement. Mais bon, Katia a beaucoup plus de talent que moi, c'est pour ça que tout le monde clique sur Katia. Alors c'est marrant, tu me fais une petite transition aussi toute trouvée là. Tu parlais de BFM TV et tout ça. Alors moi je suis effectivement complètement réfractaire à ces chaînes d'infos. Bien sûr. Sapiens, c'est pas du tout un podcast à vocation politique, mais j'ai l'impression en tout cas que dans les textes de Grandma, vous avez beaucoup de choses assez introspectives, etc. Mais vous avez aussi des messages engagés, des chansons sur l'écologie. Là, le clip que vous aviez fait sur l'étang, alors c'est marrant parce que il est sorti un tout petit en parallèle de du notre. Et on s'est fait la réflexion, on fait putain, c'est ouf quoi. On a l'impression qu'on a tourné au même endroit, alors pas du tout. Mais on s'en est parlé avec Katia aussi en se disant, mais waouh, moi je voyais vos photos immergées, magnifiques là. Ouais, c'était trop cool quoi. Enfin bref, petit aparté. Allez voir ce clip, il est très très beau. Et j'ai adoré
l'approche, en tout cas, du texte, le parallèle avec la mythologie, le titre du morceau. Peut-être que je vais te laisser peut-être l'expliquer sûrement mieux que moi. Et après, on reviendra sur cette histoire de BFM TV. Ouais. Explique-nous juste ce petit morceau-là donc, qui parle vraiment d'un problème écologique et de la vision justement de ta génération là-dessus. C'est un clip donc, qui s'appelle Cassandra. Le texte parle, donc, fait référence un peu au personnage mythologique de Cassandre, qui est une femme qui est maudite et qui dit des vérités, qui annonce des fatalités et que personne ne croit. Donc en fait, elle est maudite à dire à des personnes qu'elles vont mourir, annoncer des catastrophes, et personne ne la croit. Et donc elle voit ses prophéties se réaliser, ces prophéties qui sont funestes avec personne qui ne la croit. Donc elle voit les gens autour d'elle souffrir alors qu'elle aurait pu les prévenir, mais personne ne l'entend en fait. Et c'est vrai que nous, dans notre génération, on a un peu... Moi, je suis résolument écologiste. Et on a eu Greta Thunberg, qui est vraiment la personne dont on se moque, dont les générations au-dessus de la nôtre se moquent le plus en disant « Elle est ridicule, vraiment, cette petite bonne femme là, qui fait que crier, elle est tout le temps en colère, c'est chiant et tout. » Et nous, on se dit « Mais... elle a raison d'être en colère. Moi, j'en veux à mon grand-père quand je lui disais « Ouais, là, bon, voilà, la montée des eaux, le réchauffement climatique, bon, quand c'était les seules données que je connaissais quand j'étais ado. » Et il se moquait, en fait, vraiment. Enfin, il y a certaines personnes des générations au-dessus qui se foutent de notre gueule en disant « Ah, mais... » Et moi, j'ai envie de leur dire « Mais tu t'en fous, tu seras pas là, en fait. » Enfin, moi, si j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie qu'ils vivent comme moi. C'est-à-dire dans un pays où il ne fait pas trop chaud, où il n'y a pas des réfugiés climatiques partout. Voilà. Et voilà, donc c'est un peu un clip et une chanson un peu coup de gueule pour dire aux générations précédentes, on se sent un peu comme Cassandre, en fait. Nous, les nouveaux arrivés à qui on annonce qu'on va vivre dans des conditions de merde, on se sent comme Cassandre, on vous dit des trucs, et puis ça fait des années que les scientifiques, ça fait des dizaines d'années que les scientifiques s'alarment. Largement, parce que moi, j'en ai même des souvenirs de quand j'étais ado aussi, donc ça fait 15-20 ans qu'on entend parler de ça. C'est clair, peut-être même plus. Et enfin, même vis-à-vis du nucléaire, enfin, c'est des questions qui se posent depuis les années 50, tu vois. Et de se dire, voilà, c'est pas faute d'avoir été alarmé. Alors, peut-être que bon, c'était un peu pris, les scientifiques, peut-être qu'ils étaient un peu pris pour des hippies à cette époque-là. Mais néanmoins, c'est très alarmant. Moi, je suis très alarmée, j'ai la trouille, je t'avoue. L'éco-anxiété, c'est une réalité. C'est une réalité. Et puis, c'est un des thèmes assez récurrents de nos chansons aussi, l'anxiété liée à cette vie qui va certainement pas être en tout cas être moins fun que celle de mes grands-parents, toute guerre écartée bien sûr, climatiquement, oui, je parle on n'en est pas là, on verra dans 2-3 ans niveau guerre, voilà, je crois que on verra où on en est dans 5 ans, mais voilà, exactement, ouais. Voilà, mais voilà, donc c'est une chanson qui parle de ça, parallèlement dans les paroles au fait d'invoquer un peu ce personnage mythologique qui est Cassandre. Cassandre, moi je voulais avant tout qu'elle désigne une comète, donc je sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up qui était sur Netflix avec des scientifiques qui s'alarment d'une comète qui arrive et personne ne les croit en fait. Excellent film. Et c'est très triste parce qu'on a composé cette chanson, j'ai écrit les paroles avant que le film sorte, et quand le film est sorti, tout le monde m'a dit « Ah, mais c'est Don't Look Up !» Et je faisais « Mais non, c'est mon histoire !» Ah, ouais. Donc c'est pas... Tu avais c'est eu pas, l'idée avant, ouais, d'accord. Non, mais parallèlement, quoi. Donc je pense qu'il y a plein d'autres gens qui doivent avoir... T'étais notre Jennifer Lawrence, quoi, ouais, avant l'heure, quoi. Et tu vois, il y a un peu... ce côté, moi souvent quand je parle du futur ou qu'il se passe un truc politique dans le pays qui me sort par les trous de nez, je dis trop hâte de me prendre une comète dans la gueule et qu'on meurt tous, parce que là vraiment on est arrivé à un seuil où personne écoute rien, ça part en couille dans tous les sens, ça devient compliqué, j'ai un peu la trouille, j'ai pas super envie de faire un gosse dans ces conditions, j'ai pas super envie d'être mère, grand-mère, de m'acheter une villa, de vivre la belle vie, de fermer les yeux, fermer les oreilles, c'est pas possible en fait, il se passe trop de trucs qui sont craignos. Et donc cette chanson, c'est un parallèle entre Cassandre qui
prévient qu'il va se passer quelque chose et que personne n'écoute, et une comète qui s'appelle Cassandre qui arrive irrémédiablement sur la Terre. Et la fin de la chanson, c'est voilà, c'est vraiment le crash de la comète et le fait de notre génération qui, parallèlement à sa lutte, n'a pas trop d'autre choix que d'accepter le fait qu'elle va avoir une vie adulte qui sera certainement un peu compliquée, un peu merdique, quoi. Donc c'est à la fois de la résilience, de la résignation aussi, se dire tiens, bah voilà, toutes les paroles, si vous avez l'occasion de les lire, c'est vraiment bah voilà, ils t'ont pas cru, bah voilà, t'es là, bah écoute, je t'accueille à bras ouverts, si je meurs, je mourrai volontiers dans tes bras, ma belle Cassandre. Voilà, c'est un peu ironique, c'est un peu fataliste. Mais en tout cas, l'angle d'approche de ce texte est vraiment très bon. Très très cool. Réussi, donc c'était dur de pas être culpabilisant, je me disais difficile de parler d'écologie dans la musique, oui tout à fait, mais Gojira le fait si bien, tu vois, que bien sûr et du coup tu parles justement de la situation actuelle et de choses qui te rendent folle. C'est marrant parce que tu passes un message à travers Cassandre aux générations qui t'ont précédé. Et là, j'ai envie que tu parles un petit peu aux générations actuelles et futures, en tout cas. Quand tu vois des résultats d'élections comme on a eu, alors voilà, l'idée, c'est pas, je ne veux pas te parler de questions pièges politiques, etc. mais je pense que je connais plus ou moins tes sensibilités. Oui. Moi, je me souviens que quand j'avais ton âge, voire même un petit peu plus jeune, quoi, enfin... ma génération a connu l'arrivée du Front National au premier poste quand on a eu l'élection Chirac-Le Pen, quoi. Ouais. Et je me souviens que ça avait été un cataclysme pour la jeunesse, quoi. Enfin, ouais, pour moi, ouais. À cet âge-là, j'avais déjà une sensibilité politique. Je savais que le Front National, c'était le mal et que ça représentait tout ce que je détestais, tu vois. Bien sûr, ouais. Et la jeunesse était... Enfin, j'avais l'impression que là-dessus, on était tous unis et qu'il y avait, 0% de chance qu'un pote à moi, ou enfin même quelqu'un de ma génération, de ma ville, de mon collège, de mon lycée, tu vois, vote un jour Front National. Bien sûr. Et aujourd'hui, alors t'es peut-être justement un petit peu entre deux générations, mais j'ai l'impression que la très jeune génération qui va commencer à voter à 18 ans jusqu'à peut-être 25 ans, ouais. Bon, remarque, tu as quoi, 26 toi, c'est ça ? 28, pardon. Ça leur pose plus de problème, en fait. Il n'y a plus de tabou à voter Rassemblement National, alors que pour moi... Tu vois, on est la génération Béru, bien sûr, ou la jeunesse en vient de Front National, tu vois. Moi, ça, quand je vois des résultats comme ça, c'est d'autant plus choquant parce moi, c'était inconditionnel. Enfin, c'était incompatible avec ma génération, quoi. Bien sûr. Alors, comment tu vois ça, toi ? C'est malheureusement, moi j'assiste depuis une bonne dizaine d'années, peut-être même avant, à une dédiabolisation de l'extrême droite. C'est pas mal aidé par les réseaux sociaux, par TikTok. Voilà. Hein, Bardella sur TikTok, il fait un carton parce qu'il est beau gosse et qu'il a les dents blanches. C'est encore une autre perversion des réseaux sociaux dont on vient d'évoquer dans un autre contexte, mais exactement, c'est que ça montre ce que ça a envie de montrer, malheureusement, ce qui n'est pas la réalité. Donc ça participe vraiment à lisser une image de personnes qui sont fascistes, qui viennent d'un mouvement issu du nazisme qui est vraiment excessivement grave et problématique. Et aujourd'hui, on en parle, on la compare parfois à l'extrême gauche. Et moi, je me dis, mais attends, enfin, d'un côté, il y a des gens qui disent, on veut taxer les riches, machin, qui n'ont peut-être pas une super bonne image. Et de l'autre côté, il y a des gens dont les trois quarts de la famille tueraient volontiers quelqu'un de couleur dans la rue. C'est incomparable, en fait. Donc là où il y a eu un coup de maître qui a été joué de la part du Front National entre ta génération et la mienne, c'est de se faire passer pour
c'est d'édulcorer un peu leur image, c'est de, c'est de et ça passe malheureusement par la télé. Enfin, en fait, s'il y a un truc que je pourrais dire à ma génération, c'est bon, de toute façon, ils regardent plus la télé, ils regardent Netflix. Non. Mais mais les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et Bardella sur dans sur TikTok, il est aussi sexy que Louis Boyard sur TikTok, en fait. Enfin, voilà, c'est informez-vous réellement. Le moteur évidemment du Front National, c'est la peur, et les jeunes qui votent Front National, j'en ai dans mon entourage avec qui j'ai l'occasion de discuter, c'est des personnes qui ont la trouille, et quand tu leur dis mais tu as peur de quoi, des immigrés, mais où, dans ma ville, d'accord, mais où ça, je sais pas, mais qui en particulier, les Noirs, les Arabes, bon, le classique, tu vois, le bingo classique raciste. Et en fait, tu leur dis, mais est-ce que tu en connais ? Est-ce que tu t'es déjà fait agresser ? Est-ce que des gens dans ton entourage ont déjà eu des expériences négatives liées à des personnes issues de l'immigration ? Non, mais j'ai entendu à la télé. Et en fait, c'est le truc qui revient à chaque fois, c'est j'ai vu dans les médias, mes parents m'ont dit que... Et en fait, les gens sont... hyper influencé, c'est un peu réac hein, comme propos. Enfin, ça peut paraître un peu réac de dire ah, la télé, machin, tout ça, mais c'est tellement non, mais réel. Les gens sont réel. Devenus. En fait, il y a les réseaux sociaux ont apporté ce côté décomplexé. Ouais. De grave. Pouvoir dire ce qu'on n'osait pas. Non, mais exactement. Parce qu'on est caché derrière un écran, enfin derrière son ordi ou son téléphone, et que t'as envie de dire à un tel, mais non, mais toi, t'es une merde. Tu t'en fous, tu vas le dire, puisque de toute façon, tu n'as aucune conséquence. Tu ne fais pas casser la gueule derrière, donc c'est clair. Voilà. Il n'y a pas de punition. Et du coup, et aujourd'hui, donc il y a pas ce voilà, il y a pas ce revers de la médaille à la haine, quoi. Mm-hmm. Et il y a pas. On parlait de la culture de l'instant tout à l'heure. J'ai entendu une interview de Haroun, l'humoriste que j'aime beaucoup, qui disait que apprendre le bon côté des choses. Ça demande de l'investissement, du temps, tu vois, apprendre à se cultiver, apprendre l'histoire et comprendre pourquoi telle chose c'est pas bien et telle chose c'est bien, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, les gens ne prennent plus le temps d'ouvrir un livre, de comprendre pourquoi le parcours d'un tel est intéressant, pourquoi celui-là est exécrable, etc. Et de se faire sa propre opinion. Puisque on est noyé dans flux d'informations. Ce flux d'infos toujours court, tu vois, parce que si au-delà de 30 secondes, tu décroches. Ouais. Mais sauf que non, s'éduquer, ça prend du temps. Ouais. Et tu vois, et en fait, j'ai l'impression que, pareil, ça fait un peu réac ce que je raconte, mais j'ai peur, en tout cas, j'ai peur que les jeunes, aujourd'hui, ne prennent plus le temps d'apprendre à être des gens bien, en fait. Tu vois ? Mais tu vois, pour rebondir sur ça, mon copain, il est éducateur spécialisé dans des cités qui posent problème en région parisienne, donc avec des jeunes issus de l'immigration qui sont éclatés régulièrement par la police, qui ont une réputation terrible, alors que c'est juste des gamins qui comprennent pas trop ce qui leur arrive, qui comprennent pas trop pourquoi leurs parents ils sont pauvres, enfin bref, et qui font des petits actes de vandalisme. Et lui, en fait, le but de son métier, c'est de recréer du lien et de créer de la communication. Et en fait, à chaque fois qu'il me raconte ses journées, ce que j'en retiens, c'est l'importance de croiser ces expériences, parce que c'est des gamins qui ont aussi des a priori, puisqu'ils sont complètement parqués dans des cités où, dès qu'ils en sortent, de toute façon, soit ils sont tapés dessus, soit ils sont insultés, soit... Et puis, ils n'ont pas leur place. On leur fait clairement comprendre qu'ils n'ont pas leur place ailleurs que parqués dans une cité avec les autres comme eux. Et c'est vrai que là, le fait de rencontrer quelqu'un, mon copain n'est pas racisé, c'est un mec cis hétéro blanc. Il leur parle, parfois ils abordent le sujet de l'homosexualité, par exemple, tu vois, et c'est des personnes qui, par les parents qui sont religieux, parfois peuvent être homophobes, tu vois, et juste croiser des expériences et prendre le temps, mais ne serait-ce que 30 secondes avec le gamin, de lui dire. Ah ouais ? Pourquoi tu penses ça ? Et juste poser la question pourquoi, plutôt que de juste se faire abreuver d'une information et puis rentrer chez soi et de se dire bon bah voilà, c'est comme ça, tu vois. Et là, d'avoir quelqu'un qui conteste ce que tu dis, ce qui est jamais le cas des réseaux sociaux, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle ça arrivera, mais pour l'instant c'est pas le cas, d'avoir du répondant en fait en face.
écoute, Eva, alors je pense qu'on pourrait continuer de discuter encore oui. plein de choses parce que tu parles de l'intelligence artificielle aussi, c'est un sujet qui me passionne aussi en ce moment, mais on va bientôt dépasser Julien Prince là. Non, il y a un dernier sujet que je voulais avoir aussi avec toi parce que bon, on a parlé de Grenma un petit peu, mais en tout cas, tu as déjà dit énormément de choses dans les interviews, donc j'avais pas forcément envie de te faire redire des choses que tu as dit sur le groupe. Il y a déjà plein d'interviews du groupe, donc je vous invite à écouter ces interviews parce qu'en plus il y a aussi possibilité d'écouter Myriam et Edith qui t'accompagnent souvent dans les interviews. Ouais. Moi l'idée c'était surtout de se concentrer sur toi, sur ta personne. Ouais. Et j'ai appris alors tu me dis si je dis des bêtises, mais que t'as un taf à côté qui est tatoueuse, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Et donc t'es passionnée aussi de dessin. Et alors sache que c'était ma première passion avant de faire de la musique et que moi j'ai arrêté. Et que je le regrette un petit peu aujourd'hui parce que je trouve plus le temps. Donc j'ai essayé d'apporter cette passion là à mon gamin, donc lui qui dessine beaucoup, donc ça me fait plaisir de j'ai l'impression de me voir quand je le vois dessiner. Mais est-ce qu'on peut voir déjà des dessins à toi? Et raconte-nous un petit peu ce que c'est ce milieu du tatouage que moi je ne connais pas du tout, parce que je suis un rocker qui n'a pas de tatouage. C'est un truc qu'on me dit tout le temps. Mais tu fais du rock et t'es pas tatoué? Bah non, désolé, je n'ai jamais cliché. Eu l'occasion. Non mais t'as raison, vas-y, reste sans tatouage, prouve-leur que tu peux faire du rock sans tatouage. Mais c'est peut-être ça d'être rebelle, c'est de ne pas avoir de tatouage faisant du métal. Oui, c'est ça. Ouais, donc tu es tatoueuse. Alors raconte-moi un petit peu comment t'es tombée là-dedans, comment ça se passe. J'ai fait, je te disais tout à l'heure, 3 années d'études supérieures. J'ai fait d'abord une prépa littéraire parce que je voulais être prof de littérature. Ayant été au lycée avec des profs géniaux, j'avais envie de faire pareil. Et puis en fait, j'étais très déçue par le côté hyper académique, robotique, de droite à fond de mes profs. Donc j'ai fini mon année un peu pas très bien. Ensuite, j'ai fait une année d'école d'art qui s'est pas hyper bien passé non plus. Il y a une professeure qui m'a dit « Je vois que voilà, t'es pas trop à ta place, alors que bon, t'es créative et tout, mais je sais pas, le côté institution, ça te plaît pas trop. Peut-être que tu serais à l'aise dans un milieu comme le tatouage. Tu me fais penser à un élève qui a fini dans le tatouage aussi. Peut-être que voilà, ça t'intéresserait. » C'est resté dans un coin de ma tête. La troisième année, j'ai fait une année de japonais parce que j'en avais fait 5 ans avant, toute seule et dans une petite asso de ma ville, et avec une prof géniale. Et donc j'ai continué fac japonais en me disant bon bah voilà, je vais quand même être prof de français, mais au Japon, donc je vais apprendre le japonais, je reprendrai mes études de langue française. Allez, plus tard. Voulais partir là-bas quoi. Je voulais partir là-bas en me disant, voilà, là au moins, j'ai l'impression d'avoir... C'était ma troisième année d'études, j'avais l'impression d'avoir une personnalité qui était tellement un peu hors clou que je me disais, quitte à être hors les clous, autant partir dans un autre type de culture, comme ça je serais hors les clous et je saurais pourquoi, tu vois. Ouais, parce que ouais. Là, c'était frustrant, j'étais jeune adulte, je comprenais pas trop quelle était ma place dans la société, c'était un peu confus. Et en fait, donc j'avais des profs japonais qui étaient, certains qui étaient très durs, et assez rapidement, ce côté hyper autoritaire, ça m'a fait décrocher forcément. Et en parallèle de ça, je gardais un peu en tête ce que m'avait dit ma prof d'art. Ah, pourquoi est-ce que tu ferais pas du tatou ? Mes parents, un peu, pas désespérés, mais un peu attristés que mes 3 années d'études différentes se soldent par pas une deuxième année de la même matière, m'ont dit, écoute, on roule pas sur l'or, mais si tu veux prendre une année pour toi et faire un truc qui te plaît vraiment, juste pour essayer, juste pour prendre le temps de te trouver, on te suit, fais-le. On paiera si tu veux faire une année d'études, machin, on se débrouillera, mais fais un truc qui te plaît parce que là, ça fait juste de la peine, quoi. Et mon père m'a dit, ouais, je sais pas, et puis fais un truc rock'n'roll, un truc où tu peux te sentir bien derrière, un truc où tu peux continuer à faire de la musique derrière, parce qu'il y avait déjà mes compos des années précédentes, donc il me disait, ce serait trop dommage d'abandonner ça, il faut que tu aies une profession, que tu aies du temps, du temps pour faire de la musique. Et pourquoi pas du tatou, je sais pas, un truc de rocker, quoi. Et je suis allée au Mondial du tatouage à la Villette à Paris. Et je suis rentrée dans la grande halle de la Villette et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est bon. Hop, c'est torché, je sais ce que je veux faire. D'accord, la révélation. Ah, ça m'a paru
en fait, les gens qui étaient présents, j'avais l'impression que c'était que des gens comme moi, des gens un peu en marge, mais parfois des gens hyper bien intégrés dans la société, mais juste avec un style hyper alternatif, en marge, mais quand même intégrés, des super bons caméléons parfois, des gens vraiment complètement hors système, qui est géniaux aussi, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes avec une très très grosse personnalité, et... ça m'a fait un bien fou de me dire « Ah, mais en fait, c'est une véritable communauté, il y a d'autres gens comme moi, et je crois que ce que je recherchais avant tout, c'était d'être dans une communauté de personnes qui me ressemblent. » Et la musique, tu vois, je suis pas sûre d'avoir trouvé ça dans la musique, j'ai vraiment trouvé ça dans le tatouage. Donc j'ai fait un apprentissage, j'ai démarché pendant plusieurs mois avec des books qui se remplissaient au fil des semaines. Au lieu de réviser mes partiels de japonais, je dessinais des petits flèches. Voilà. Tu créais ton univers. Exactement. Et puis en plus, au début, je faisais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Je suis vraiment passée par plein de réflexions autour d'un style. Du coup, tu es influencée par le manga? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. D'accord. Je suis influencée par l'art nouveau, l'art religieux, l'art gothique beaucoup, l'art psychédélique qui va vraiment de pair avec l'art religieux et l'art nouveau. Donc c'est vraiment moi, c'est ma petite trinité à moi de trucs que j'adore. Il y a moyen que ça me plaise. Ce que tu me dis, c'est des influences qui me plaisent, en tout cas. Ouais. Et je te montrerai, je t'enverrai des choses. Bah si ouais, envoie-nous. Et puis si tu as on peut te suivre sur des réseaux aussi par rapport à ton travail de tatoueuse. Absolument. En fait, je m'appelle partout pareil, que ce soit mon travail de musicienne ou mon travail de tatoueuse, c'est Eva Hagen, comme Nina Hagen, mais avec un tréma sur le A. Et voilà, sur Instagram, c'est Eva Hagen Art, parce que je fais de la peinture et de la gravure aussi à côté. Il y a toujours un côté un peu médiéval qui, malgré l'art nouveau, je continue à creuser un petit peu. Donc la gravure, je me suis retrouvée dans ce côté un peu artisanat à l'ancienne aussi. Tu vois, j'ai toujours trouvé que la pochette d'album de votre premier album a une esthétique médiévale. Ouais, ouais. C'est volontaire, j'imagine. Ah oui, oui, absolument. C'est mes influences d'histoire de l'art. Et je me suis toujours posé la question aussi. Pourquoi Myriam a un poignard? Alors, on a toutes les trois un objet sur cette couverture. Oui. Myriam a un poignard, moi j'ai une grenade, et Edith, la batteuse, a une rose fanée. Et en fait, moi j'ai vraiment insisté pour qu'on ait une pochette qui soit symboliste, avec un peu tous les éléments bizarres des peintures, des portraits, de la peinture flamande, de la peinture baroque, tu vois. Il y a toujours soit des expressions de visage bizarres ou très énigmatiques, soit des objets où tu te dis mais pourquoi il y a un miroir qui fait ça, pourquoi il y a un chien, pourquoi il y a une tasse, pourquoi il y a une pyramide. Ça fait très Durer aussi, d'avoir je crois que c'est Mélancolia 2, sa gravure incroyable où il y a tellement d'éléments, c'est tellement bizarre. Et on voulait vraiment revenir à l'origine de ce que veut dire baroque, c'est-à-dire étrange, un peu bizarre. Donc d'avoir des choses qui te font te poser des questions. Et d'ailleurs, ça marche puisque tu me demandes pourquoi Myriam est un poignard. Donc ouais. Super. En fait, c'est un album qui tourne autour de quatre sentiments, la colère, la frustration, le désir, l'envie de s'élever, l'envie de croquer la vie à pleines dents, beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, et puis le tout entouré par beaucoup de résilience. Et on a une chanson dans l'album qui s'appelle La Ronce, qui est une chanson qui parle de résilience. Et en fait, nous trois, on est à table et on est entourés par une ronce. Donc c'est vraiment de l'analyse poussée de l'image que D'accord. je te fais, mais je te décrypte la pochette de cette manière-là. Okay. Voilà, c'était symboliser tout ça. Avec des objets. Ben écoute, c'est passionnant tout ça. En tout cas, t'as beaucoup de cordes à ton arc, comme on dit. J'imagine que j'en découvrirai sûrement d'autres en suivant tes activités. En tout cas, j'invite les gens du coup à te suivre sur les réseaux aussi pour ton côté graphique, je dirais.
Je crois qu'on va, on va devoir malheureusement arrêter là, oui, parce qu'on est déjà ça fait longtemps heures. Là. Ouais. J'espère que les gens écouteront jusqu'à la fin, parce que en tout cas, t'es une personne passionnante. Merci beaucoup. Nicolas. Merci pour le temps que tu m'as accordé, Eva. J'ai appris plein de choses, et c'est super d'avoir la vision d'une femme sur tout ce milieu-là que je côtoie de mon côté, mais. Entouré majoritairement de mecs, hein, c'est, ouais. C'est la réalité des choses. Mais écoutez, je vous invite à écouter les autres épisodes, puisque il y a plein de gens aussi passionnants qu'Eva, avec des parcours super intéressants, très atypiques souvent. Toi, tu as eu en tout cas un parcours que je n'avais pas eu jusqu'à maintenant. Donc, c'est vachement cool. Y a un truc que je voulais juste te dire aussi avant de terminer. En regardant les quelques interviews que j'ai regardées de Grandma, justement pour éviter de te faire rabâcher toutes les mêmes choses. C'est très cool. Y a un truc que j'ai trouvé super. Et c'est souvent aussi, voilà, quand on... Ah, quel conseil tu peux donner à des jeunes? On te dire ça aussi souvent. Moi, je dis toujours que le secret de la longévité d'un groupe, c'est la communication. Ouais. Et j'ai l'impression que, en tout cas, entre vous trois, vous avez une volonté de communiquer prioritaire sur tout. Et je trouve ça génial. Quand on vous écoute sur la façon dont vous travaillez ensemble, et a priori, il s'est passé vraiment quelque chose sur la période Covid qui vous a permis de vous rapprocher, en tout cas dans votre amitié. En tout cas, vous êtes un groupe qui communique énormément et qui se respecte les uns les autres, qui s'écoute les uns les autres, enfin les unes les autres. Et qui tient compte du ressenti, de la pensée, de l'inspiration de l'autre. Et je trouve ça vraiment formidable. Donc c'est un truc qu'il faut souligner, parce que il y a plein de groupes, je pense, qui tiennent pas forcément l'épreuve du temps. Ouais. Parce qu'ils osent pas se dire les choses, en fait. Et c'est le secret pour moi d'un groupe qui tient. Tu vois, nous, ça fait 19 ans. À part Katia qui nous a rejoint il y a quelques années, on est toujours les quatre mêmes garçons. Parce que je pense qu'on communique énormément. Donc ça, je voulais souligner. Bravo, en tout cas, c'est top. Et je pense que c'est ce qui fera que vous durerez longtemps, voilà, si vous continuez comme ça. Il y a une place, quelque chose que je peux rajouter à ça, une place à l'ego aussi, moi, qui me surprend dans ce groupe, où c'est vrai que les groupes précédents dans lesquels j'ai été ou dans lesquels je suis passée succinctement, il y avait souvent des différences, en fait, d'ego, ou des mises à l'écart de certaines personnes du groupe à cause d'une façon de se percevoir en tant que tel membre du groupe, la personne qui chante ou la personne qui fait de la guitare ou machin, et le fait de faire attention à ça au sein du groupe, de se dire j'ai pas tous les droits quand les autres personnes du groupe me font une critique, je leur fais confiance aussi dans cette critique là c'est pas pour me faire du mal, c'est pas pour être méchante, c'est constructif. C'est peut-être que là je sors un peu de mon rôle, je sors un peu de ma place, peut-être que je suis pas hyper ok, donc accepter la critique et faire gaffe à son ego dans le groupe, c'est un peu un secret de longévité par rapport à la communication, et c'est amène à ce que tu as dit, c'est tellement juste. Et c'est normal de se prendre la tête des fois. Mais en tout cas, il vaut mieux se prendre la tête et dire les choses plutôt que de garder ça pour vous, et que à un moment donné, il y en a un qui soit dans la frustration puis qui dise écoutez, moi j'en ai marre, je me casse. Et donc c'est souvent comme ça que les groupes se finissent, malheureusement. Exactement, oui, tout à fait. Écoute, Eva, merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi aussi, Nicolas, c'était hyper chouette. Merci pour tes questions, ce renouveau de trucs cool à dire en podcast ou interview, c'était très très agréable. Tant mieux. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai, en chair et en os, en Alsace ou ailleurs. Dis à Jimmy qui trouve un plan où il met les deux groupes ensemble avec Mars Red Sky. Voilà, ce serait parfait. Ça ferait un putain de plateau génial. C'est clair. En tout cas, si tu repasses en Alsace prochainement, n'hésite pas à me contacter. Dans deux semaines, je suis là. Ah ok, écoute, on ira peut-être boire un verre pour de vrai. Avec grand plaisir. Et j'essaierai de motiver Katia si tu veux. Serait trop cool. Allez, à bientôt. À bientôt. Au prochain épisode, je ne sais toujours pas qui je vais inviter. J'ai encore plein de gens dans ma liste.
Je vous invite donc à écouter les précédents épisodes et puis bien sûr Grandma Cheese avec leur dernier album et puis l'EP qui était sorti aussi un petit peu avant. Et puis tu passeras le bonjour et mes amitiés à tes deux copines musiciennes et particulièrement à Myriam qui a un très bon son de grâce. Voilà. Ça marche. Allez, à bientôt et bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci.